Peuple haïtien, commandant Guy Philippe, qui est général, chef révolution pour libération pays d'Haïti 2024, parle sous affaire, coulève cette traite, plus de traite, qui soi-disant choisi yon premier ministre. Commandant Guy Philippe fait une intervention qui est extrêmement important et qui dit deux trois bagages qui est extrêmement important pour que ou même ou tendez et puis vous comprenez. L'homme dit nous Guy Philippe, son type qui est extrêmement intelligent. Mon cher, franchement, peut-être ou capable remel en tant que moun, parce que même bon Dieu, t'as des moun qui t'es contre lui. Même pas en tant que moun, si ou prend temps ou prend sang pour tendre, ça qu'arrive pas d'accord avec dans tout point que l'aborder. Même j'en tout moi-même, il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais il faut qu'on prenne le temps, on prenne le sang pour tendre. Et puis à partir de maintenant, le sang, on va le connaître qui j'ai pour réagir. Et bien maintenant, je dis que l'intervention que Mme Philippe fait, sous affaire qu'on lève cette traite, qui soi-disant choisit le premier ministre, c'est extrêmement important. Et vous avez dit que M. dit, aïe, 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 monsieur, ouais, moi-même, je dis ça très bien. Haïti, il y a des gens. Haïti, il y a des petits qui pensent pour lui. Haïti qui est intelligent, mais malheureusement, le système est tellement violent, il vient faire que petit li yo pas qu'à atterrir pour porter des bagailles qui sont importantes pour le pays. Comment Guy Philippe parle? Gary Conille, ancien premier ministre sous Joseph Michel Martelly en 2011. Justement, eh bien, monsieur, finalement, monsieur nommé officiellement comme premier ministre pour qu'on lève 7 traites plus 2 traites, fait 9 traites là. Eh bien, hier, qui était 30 mai 2024, là, eh bien, arrêté à sortir, il a publié dans le journal officiel Le Moniteur Paysan, ok? Eh bien, naturellement, je dis, nous avons parlé là, Haïti, n'importe qui, j'en capable de là. Haïti, l'État haïtien connaît officiellement un nouveau chef d'État, chef gouvernement. Mais je dis ça très bien. Si vous êtes en vivre comme, alors, peut-être, ou te ka en province même j'avais, mais ou capable de information yo, kon commence à te sous la avant tout, ou ta vie Port-au-Prince, ou ap konel. Ça son lot, Gérard, la tortue kap vin la. Kou lève cette traite là, son 7 tivolo, plus de tivolo, ou commence à me dire, fait 9 tivolo, kap la, kap boté, kap fait l'argent, kap gérer tête yo, on équipe net qui te fin effondré économiquement, qui te fin pauvre net, mais qui joue une possibilité pour refaire yon santé économique là maintenant. Mais moun ki pral véritable chef là, c'est docteur Gary Conille. Guy Philippe dit que m'pral faire nous tendre tout à l'heure. Même pas comme chaud, m'pas prendre temps pour que moi permettre nous tendre ça. Mais m'dit nous ça. Guy Philippe dit si yon moun te gen courage nan nèg sa ou soit disant yo choix nan nèg sa ki te pou tête yo, bay kay comme nan. Il dit si yon te gen courage pour te vin là, pour te saboter système nan, là nous te capable de problème. Et pourquoi ça passe? Gary Conille, l'a choisi, monsieur, comme premier ministre. Alors, il a parlé dans le couloir politique et couloir politique avec la longtemps. Depuis soir, Ariel, vraiment, Jean-Pascal de Delia, là, non, il a cité. Mais, comme si il a dit, après 4 millions, plus de 4 millions haïtiens que nous avons dans la diaspora pour le moment, m'a posé une question, est-ce que c'est docteur Gary Conille qui premier ministrable? Et parce que peut-être si nous pouvons utiliser l'expression ça, parce que je sens qu'en Haïti, il y a des gens qui c'est yo qui de profil capable président de tous les temps, et c'est yo capable premier ministre de tous les temps. Ok? Ça veut dire que pas que l'autre monde dans le pays qui doit premier ministre, c'est eux-mêmes. Mais ça que je trouve qui est important, pour que je souligne pour nous, et c'est position l'église protestante d'Haïti. Ça montre à clair que en Haïti, en vérité, bon Dieu, ça nous est les religions, ou bien religion qui ça, ou bien l'église protestante, mon cap dirige l'yo, son équipe assassin qui pavle ou Haïti qui vicieux, qui pivot l'or que iso. Oh! Beaucoup de gens saisis comme ça. Voilà. Mon ça montre mieux, plus passé, plus volé, plus vicieux, plus criminel, plus assassin que iso. Et c'est là encore une comprenne raison qui cause moi, mais si oligarque avec politicien, yo te gon facilité pour que yo te utilisé yon soi-disant dame missionnaire, yon prophétesse pour te vin prophétiser sous la vie président Jovenel Moïse. Mais c'était une stratégie. Une stratégie pour que yo te capable éliminer président de la République là. C'est pour que yo te capable faire nous-mêmes, faire l'opinion accepter que
le président assassiné, ce n'est pas normal pour tout le monde d'accord parce que il était prévisible. Gon prophète ce qui te dit, bon Dieu te dit, la nature te dit, comme si tout le monde doit accepter que crime ça, il doit être fait. Et madame ça te rele Laura. Prophétesse Laura. Et madame ça, m'a dit honnêtement, c'est seul Haïti pour quitter pour pas foutre en bas code. Et m'a dit ça très bien. Nous même Berto, nous à peine notre trentaine, nous à peine n'a touché trentaine nous. Et bon Dieu la vie qui est que nous. Nous remet la vie. Et nous prenons des précautions tout. Pour Pipiti, la garantie nous, minimum, yo 40 encore. Ça veut dire que vous avez passé? Madame prophétesse là, madame Laura, qui te prophétisé de manière stratégique pour ne pas tout président PIA, m'a dit ça très bien. Ou est-ce pas j'aime parler de où? M'gen on en visem. Et la justice haïtienne doit foutre code dans le cou. Et on doit connaître la peine de mort comme criminel. Et j'aime toujours dire, la peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Et dans l'histoire, dans la loi pays, c'est obligatoire pour que nous gagnions la peine de mort. Parce que Jean, pasteur, l'a dit là, leur retire la peine de mort dans le pays, c'est qu'on veut payer ça pour vagabondage dévorer, pour criminalité envahir. Mais c'est exactement ça qui fait dans la société nous, dans le pays d'Haïti. Faut que nous très prudents avec gens de conseil ça yo, gens de ravette ça yo, gens de criminel ça yo. Et moun ça yo, yo toujours là pour quitter ou utiliser yo. C'est des stratèges que yo y. Est-ce que nous t'en déloa encore? Non. Qui ça le fait? Ou pas contre ça le fait? Qui ou allé dans la société ya? Son job li tap fait. Elle toujours là pour faire qualité job ça yo. Yo gen de l'autre monde qui a produit encore. Mais m'a dit Selora. Selora, m'a dit gen bagay. Nous pas m'se Berto. N'a gande yon petit paysan. Sous plateforme ça rele nous Info Berto. Ou nan touye président Jovenel Moïse et ou gen pour payer pour lui. Et la justice haïtienne kap fo payer pour lui. Et m'a prendre moun Dieu kebe la vie ou protéger santé ou parce qu'on doit payer pour ça a ko fait. Parce que m'comprenne ni, nous pas bon vague. N'a pas avancé. En pile dossier d'actualité ya. Jodi an, c'est exactement le 31 mai 2024. Avant hier, nous avons passé une petite vidéo qu'on a regardé sur l'écran là, que mute son de Dr. Gary Conny. Qui est-ce, monsieur? Nous avons plus de détails sur Gary Conny après-midi. Parce que nous avons pile d'informations qui ont venu qui facile tout, parce que c'est son personnel public. Sou fonctionnel dans l'État. Sou Gopal, tout ce qui fait en Haïti. Monsieur fait pas au presse. N'a vin avec toute information de monsieur pour. Sou qui très formé. Mais écoutez, monsieur, sou élément clé. Sou élément clé pour des blancs, li clair, des blancs américains qui a involve dans affaires politiques pays d'Haïti depuis 30 dernières années. Et c'est des blancs qui très influents dans la politique aux États-Unis d'Amérique. Et blanc ça yo, yo vraiment mis pied à terre dans la coupe pays d'Haïti, c'était en 1994. En 1994 que yo met pied à terre définitivement dans affaires politiques pays d'Haïti. Depuis là, depuis là ça, mais définitivement yo gen pied à terre. M'vlo moun très prudent, l'a pas de international américain américain non. C'est pas les Américains. Ce n'est pas tout États-Unis d'Amérique. C'est les politiciens américains que Jean-Bertrand Aristide est rentré dans sa affaire politique pays. Depuis le ça, moun sa yo même, yo gen propre goût, yo gen avantage, babé moustache, mais de fait, c'est yo kap coupé raché. Gary Conny, c'est qui gen gros bois des bananes ni. Et c'est qui pral bay toute possibilité avec équipe li pour yo jwenn sa pour yo jwenn. Maintenant, Gary Conny, de fait, li premier ministre. Qui ça que vous avez jeune comme haïtien? Rien. Même abdon green bagay. Ou même comme peuple kap tandem, kap gadem la en dedans, ou à l'extérieur pays. Ya. Ou kon green bagay kon dwe gen en tête ou. Moi c'est peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dans tous les pays du monde, peuple pas jamais perdu bataille. Peuple capable perdu combat. Parce que peuple, depuis peuple de la guerre, peuple capable perdu yon combat. Ou ap replié, ou ap revisé des stratégies ou, et ou ap vini avec de l'autre stratégie pour que vous soyez capable d'affronter. Et m'a dit nous que 1er janvier 2024, commandant Guy Philippe
débarqué dans Gonaïve, Jean Kelte annoncé. Dans la cité indépendance pays, Guy Philippe fait deux ghettos, deux quartiers populaires qui étaient vraiment hostiles. Mettez tête ensemble, Raboto et puis Dekao, Jibili en même temps. Mais justement, Guy Philippe parlait en seule parole. Révolution pour libération pays d'Haïti 2024. Guy Philippe dit nous pas camper. Nous avons une possibilité d'aller rapide. Mais une révolution, son bagage, c'est tout ton démarche qui est lié, son leader qui est lié. L'Ika aller rapide, comme ça tout, le doit pas aller rapide. De 1er janvier 2024 à 31 mai 2024 là, peuple haïtien gagne en pile progression qui fait. Données politiques complètement changé. La classe politique traditionnelle haïtienne complètement senti que li embarrassé parce que tout naturellement, messieurs senti que gon panique totale, yo obligé mettre toute tête ensemble parce que nous pas ka gagne traite parmi nous encore. So j'aime te dire nous. Pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis dans nos rangs, point de traître. C'est grande parole ça nous doit kembe. Dans nos rangs, point de traître. Et toujours dit, li extrêmement important. Dans la bataille que nous avons menée dans le pays, pendant 30 derniers mois, 33 mois, après 34 mois, nous avons des traîtres parmi nous. Nous avons des traîtres qui font long parcours ensemble avec nous. Eh bien, qui ne viennent pas à Kakembe parce que traître pas traité, traître pas Kakembe Gangou, traître pas trahi équipe qui a travaillé pour lui. Et au coup de la route, les traîtres qui pensaient que nous sommes capables de faiblir et li wè que nous pas faibli. Finalement, il est obligé de replier de manière stratégique eh ben, pour que li capable de rentrer dans la base. Eh bien, m'a dit nous que et trait ça yo jodi an yo nan équipe yo naturellement. Nan mitan nous pas gen trait. Nous gon green leader pour le moment. Dans affaire bataille politique qu'a fait actuellement là. Tout peuple haïtien réclamé, alors capable dit majorité peuple haïtien réclamé comme an Guy Philippe. Comme an Guy Philippe yo proclamé, yo acclamé. Jaspo Aysen nan, presque l'unanimité, parle d'une seule parole qui se commandant Guy Philippe. Ou gon green baga kodo gen en tête ou. Yon révolution, c'est pour baga qui fait aussi rapide. Soit le cherche l'histoire et Fidel Castro, et ben justement, comment il te commence la révolution là. C'est dans une petite ville province, avec 12 moun de adol, et ben il commence à parler avec paysans, de porte en porte. Ou campagne porte à porte, parle avec paysans. Lui conscientise, lui parle avec yo, lui attendez, l'idée en passé de prouver ça, côté le terrain, section communale, côté le terrain, révolution monter dans le grand capital pays. Mais c'est là ça, moun amé, moun a gros âme, moun a gros pas, gros âme, tout cas de bagay, te rejoint une population, et bien justement, pour que Fidel Castro soit capable de river, chavirer, régime sa qu'elle de chavirer. Mais naturellement, ou pas de jambe, te facile pour te voir Fidel Castro au devant de la scène. Il y a un pilote leader qui t'est émergé, qui te connaît que leader ça c'est lui-même qui est extrêmement important pour eux. Eh bien, c'est lui qui doit derrière. Il même doit comme visible leader qui a pensé tête pensante là, moun qui a réfléchi pour révolution, il doit au côté qui puis safe. Et c'est comme ça qu'il doit y être. Naturellement, doit protéger leader. Il y a un pilote stratégique qu'on a fait pour que yo élimine leader qui se commande Guy Philippe, mais qui vient paraître impossible. De manière stratégique, qu'on fait force l'État pays d'Haïti. L'État pays d'Haïti utilise toute force police pays d'Haïti, force armée pays d'Haïti pour déclencher une stratégie pour assassiner le commandant Guy Philippe qui est leader révolution. Groupe blanc qui a gagné international, il a gonflé derrière pour que yo retire Guy Philippe sous scène politique. Et comme si Mdadjou exclut catégoriquement, le nègre prend décision pour dire que Guy Philippe, justement, saute en prison, il n'a pas qu'à faire partie du conseil présidentiel. Guy Philippe n'a pas besoin de ça. Guy Philippe, t'es prêt pour parler avec tout haïtien. Guy Philippe, pas prêt pour te prendre dicté dans quel que soit, moun koé comme blanc. Et ça cause, Guy Philippe, qui est position ça clair, il dit tout moun qui peut-être aller dans l'obéissance, ça qui prend dicté dans mes petits pays, colonial Zayo qui, ça dit, carré comme non. Eh bien, justement, ils sont des esclaves, des conseils de traite nationale. Et ça fait nous, les coulèves ça, coulèves cette traite, plus des traites, fait 9 traites. C'est des traites nationales qui ont eu. Et l'heure où il y a des traites, où il y a des traites parmi nous, ou de et prendre traitement, juger le condamné en tant que tel. Et m'a dit nous, moun sa yo qui fait ça que vous faites comme ça, yon de responsable. Yon de responsable. La mort, crime qu'a fait sous chaque grand haïtien en de pays ça, jusqu'à ce que yon ba espace là. Et nous devons poursuivre moun sa yo, jusqu'à ce que yon arrive dans le dernier bout qui se tombe yo. Quel que soit jeune garçon, jeune femme, nous qui supporte koulev cette traite ça. Quel que soit ça qui parle passer dans le pays,
richesse pays qui cap exploité sous toute forme. Depuis nous identifier ces messieurs ça, on a identifié, on a metté nom yo, on a fait tout ça qu'on capable pour nous monter nom sur billboard. Et m'a dit ça très bien. N'a bataille à court terme, n'a bataille sur long terme. N'a bataille jodi an là, on peuple là l'idée a passé, 2 millions haïtiens, 3 millions haïtiens, 4 millions haïtiens prend conscience, on dit que yo pas capable encore, yo pas tolérer avec ça là, yo pas tolérer criminel ça, yo faut porter bourré, yo chavirer ça gars là et puis nous placer leader nous pour la alors ça nous c'est ça nous le court terme là. Mais pour long terme non, c'est quitter l'état dans mes criminels yo pour botter l'argent. Kébé pays en gauche toujours. Fait diaspora c'est n'a pas rentrer. Oligarque on peut continuer à augmenter taxe sur peuple là. Fait peuple payer taxe, fait diaspora c'est n'a pas rentrer avec un conteneur. Et c'est haïtien qui directeur douane yo. Quitter yo continuer priger peuple là. On côté Abraham a 17 assez. Et nous capable arriver à travers les élections. L'arriver à travers les élections. Tout naturellement m'a dit que c'est extrêmement important pour nous comprendre ça. L'arrivée à travers les élections, avec criminels, c'est au qui au pouvoir. Ou qu'on grène bagay. Faut qu'on dit, assassin, ça yo pas capable. Ok? Assassin, pas capable faire campagne en dedans pays ya encore. Yo pas capable vin faire discours en dedans pays ya encore. Et faut que nous prenions toute disposition. Faut nous prenions toute disposition pour que messieurs, ça yo, nous mettez yo hors jeu. Nous mettez yo hors jeu. En tout n'importe forme nan. Et m'te dit nous ça. Premier cancer, gangrène, calamité, souffrance, douleur nous comme peuple et état n'a vivre comme nation. Responsable en premier relé la classe politique traditionnelle haïtienne. Premier responsable, premier criminel, premier groupe gang nan, relé politicien haïtien. La classe politique criminelle assassin gang sale ça yo, c'est eux même qui responsable tout malheur nous comme peuple. Et m'a dit nous deuxième responsable là, c'est oligarque corrompu qui décide de prendre contrôle ban vicié sa yo pour détruire pays ya. Et c'est ennemi numéro un nous. Nous est volontairement monsieur ça pas décidé pour pays ça jamais aller en souffle voir pour ne pas parler de changement. Nous gon président qui campé. Dans deux premières demandes yo, nan yo prend tout ça ont besoin, l'argent que ont dépensé dans campagne tiré le. Président décide pour que li bay pays en possibilité pour peuple la galon souffle. Dans deux dernières années ou bien trois dernières années, nan yo décide prendre dernière décision drastique là parce que le président prend dans ligne droite là. Côté que paysan, l'État paysan, qui sont l'État prédateur, qui peut passer avec l'État serviteur, qui peut servir le peuple, qui a décidé pour assassiner chef d'État. Là où il dans le pays, qui a assassiné un chef d'État, en fonction de ça, ça veut dire, ou on l'État qui en disparition, ou on l'État qui faillit, ou on l'État qui prend en otage par des assassins, par des terroristes. Et bien, nous avons 33 mois, 34 mois, depuis nous avons des terroristes qui prennent l'État pays d'Haïti en otage. Lorsque des terroristes qui prennent l'État pays en otage, n'importe quoi ou quoi avec eux, ou qu'a foutu un coup de bouteille, ou qu'a foutu un coup de couteau, ou qu'a foutu un coup de rache, ou qu'a foutu un coup de matin, ou qu'a fait n'importe bagaille pour défendre tout, parce qu'on a droit à la défense. Droit à la défense, ce droit sacré que lié. Ils fait violence sur vous. Ils fait violence sur vous. Violence économique, violence sociale, violence physique, violence politique. Il fait tout sous comme peuple, un bon droit pour défendre tête ou droit à la défense, son droit sacré que lié. Et il fait trois crimes sur nous comme peuple. Dans ce sens, ça, dans faire aller ça, nous avons pile bagaille que nous pourrions partager ensemble avec nos académies sur ça. Mais sous point ça spécialement, Gary Koni qui est sur l'écran là, je me garde ou, m'dande ou, et m'a dit ça honnêtement. Je n'ai rien comme critique que je pourrais porter, mais m'a dit un grand bagaille. Il y a une résolution qui te prend, sous administration Matéli Koni, pour près de 210 millions de dollars américains. Qui sont-ils qu'on a l'argent ça te fait pendant temps là? Qui ça te fait? Est-ce que naturellement ou gen cob qui te retenu mon? Est-ce qu'on t'a détourné l'argent? Comme ou chef, ou pas répondre question ça yo. Mais on le faut que vérité établie parce que ça sous gen petit ou gen madame au moins qui t'a éclaircissement sur ça pour famille ou. Mais moi même pour attaquer ou non. Pour moi même d'après moi sous gen assez de courage ou capable prendre pays y a plus gros service qui est capable d'exister. Nèg yo assassiner un chef d'état en fonction dans dedans pays d'Haïti ou c'est haïtien. Ou ka rendre tête au service ou dans Nations Unies. Ou ka bataille, ou ka exiger un tribunal pénal international pour nous joindre vérité dans ça qui est pour avec assassinat président Jovenel Moïse. OK? Pour président Jovenel Moïse. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. Dossier assassinat président Jovenel Moïse.
Si on a une chita là, comme super chef, dans mettant assassin ça yo, ou pas tout gagner peloton dans mayo pour prendre contrôle pays là, ou mettre connait que ou va passer parmi les assassins. Ou va passer comme criminel, ou va passer comme pas sérieux. Il y a trop de crimes qui fait Haïti. Mais pour qui ça c'est gars reconnu que lié tout? Et mais les gars reconnu, c'est parce que système là pas jamais voulu pour un haïtien qui c'est haïtien 100% qui gagne un passeport américain, canadien, français, mexicain, whatever nationalité qui remet pays d'Haïti qui en vit, font bagarre pays d'Haïti, yo pas besoin moun sa yo. Yo montre pas besoin moun sa yo, mais yo besoin un haïtien. L'elle vire Dubaï Haïti, li pa Haïti règle rien pour lui, yo montre c'est li yo besoin pour venir font job pour yo. Mais par conséquent, valé haïtien qui vraiment sacrifier vie yo pour Haïti dans New York, dans Canada, OK? Dans Miami, dans Boston, dans Washington, valé haïtien qui compétent. Et mais si gars reconni vini. Ou parler de diaspora qui cite nom qui et accepte alors choisir ou peut-être ou jeune de graine parce qu'il a parlé de la diaspora haïtienne et gien pile en pile monde nous pas dit menti mais naturellement m'a dit que gien pile causé qui peut-être mérité éclairci gien pile causé qui peut-être mérité éclairci mais nous devons comprendre mais ça qui est important souvenez comme chef gouvernement ou gen possibilité là pour gaye won nan nan men assassin yo nan men criminel yo et c'est pour compétence ou pas me parler de ça ou gen assez de compétences ou comprendre international là ou comprendre toute plateforme internationale ou travail pour yo et ou son gros paltou et m'capable dit mais mon cher m'pa bon menti situation pays d'Haïti connaît qui ça ko capable fait pour éliminer classe politique qui gen là pour montrer que peuple là c'est pas matériel ou vinn servi parce que tout le monde dit clairement ou c'est représentant direct de Joseph Michel Matéli, Gangalil PHTK. Est-ce que PHTK a tout bien avou? Est-ce que c'est pas ou que tu coupé te courir d'ailleurs avec classe politique là? Qui est-ce que vous yé? Qui ça faut te courir? Et nous besoin de ça yo. Docteur Gary Koni, ou pral tande monsieur, et dans l'émission là, oui. Mais naturellement, m'a dit que, comme on a dit Philippe fait une intervention qui est extrêmement importante, m'a dit fait nous tande, et puis arabe là tout, m'a dit ça arabe là tout, et arabe là tout, ok? T'as l'heure, gon information là, bah moi. Et permettez-moi de toucher ça rapide, vite. Et selon CNN qui a révélé que. Voilà. CNN révélé que et le chef de gang vite l'homme innocent. Et justement, t'as va récupérer. Oh, c'est gros causé. Cadavre de missionnaires américains. Ben moi. Ok. Et voilà, vite l'homme innocent. C'est bien été chargé. C'est bien été chargé. Ben vérifier pour nous. Ben moi prendre un coup de pause pour que moi capable de vérifier ça comme information pour nous. Parce que qu'on est fort non pour nous baouler et fort non sûr de sous là et qui voyait le pour nous ben moi courir vérifier ça pour nous et entre-temps on apprend et break là dans quelques secondes et bataille liée et on prend quelques secondes pour que nous capable vérifier ça pour pendant que on partager émission hein, avec toutes amis. Alors m'a profiter pour me dire bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté que l'heure, on attend de nous et on regarde nous encore une fois. C'est un plaisir pour nous pour que nous ensemble avec vous. Brooklyn apprend avec président Jovenel Moïse. Ce soir, yo tout yo dans tout hier, attendez, yo tout obligé gens. Yo ka fait lapider ou yo fusiller ou yo assassiner ou yo exiler ou mais c'est ça ça qui réservé avec président qui vient pour changer bagage. Bataille avec système pesé sous ça. Son bataille, c'est un coup. Ces gens dans la Bible, nous, c'est David qui a goûté Goliath. Si bon Dieu va dérouler son bataille que le peuple a perdu d'avance, nous disons ça. Et nous-mêmes, si nous pas ouvert genoux, ouvert oreilles nous, pour nous comprendre parfois, quantité, mensonge, faux prophète à bailler dans la radio et la télévision ici, pour nous voir dans qui trou que vous pouvez mener nous.
comment vous avez sorti nous choisir un monde qui est dans le nouveau hôtel? Et puis je dis, nous gardons nous un monde qui est un diable. Nous avons posé une question sur ça. Très bien. Et voilà. Qui s'est bagarré là? C'est, vous faites connaître que, et CNN fait connaître, Vite l'homme innocent déclaré que, je suis désolé, et Vite l'homme innocent déclaré que, et alors, gouvernement américain, hein? Attendez bien, oui, contactez-le, si c'est vérité, c'est Vite l'homme innocent, et qui dit, selon, alors selon CNN, déclaré que, alors m'a dit, il va rappeler donc que c'est métronome de guerrier Jessel, et qui métronome qui c'est média en ligne, qui c'est porte-parole, et qui lève 7 traites, plus 9 traites, fait 9 cadavres, et qui la gagne information ça, d'accord? Et selon, justement, et alors sous, et c'est métronome qui fait tout là, mais nous avons deux amis qui disent nous vrai, et ça qui dit en lit authentique. Et nous vérifions ça tout d'abord, avant nous dire. Vite l'homme dit que yo négocie ensemble avec elle pour que li aide yo récupérer cadavre de Américains qui assassiné par gang Jeff là dans Canara. Alors selon journal là, et pendant que FBI a gagné avis de échange de Vite l'homme, yo gagne 2 millions de dollars américains sur tête Vite l'homme, mais ça pas empêcher que administration américaine rentre dans négociation avec Vite l'homme innocent pour que Vite l'homme capable aider récupérer cadavre de Américains yo. Bon, bah connait comment ça fait parce que ça gagne en pile. Et ça gagne en pile, capable de dire non, bagaille politique là dans le tout, parce que m'oublier dans après la vie, oui, c'est bien être chargé. Nous, dans contexte politique aux États-Unis d'Amérique, côté que il y a deux camps politiques qui tout qui connu là qui extrêmement fort, côté que, et mais mon cher président qui était perdu et élection 2020, monsieur bien placé, et actuel président bien placé tout, c'est deux présidents, ça veut dire qu'il y a tête pour tête, mais sauf que dossier li vraiment dossier assassinat deux américains dans pays d'Haïti yo li vraiment ba en pile problème. OK, médias américains va parler de li en pile et partisans dans notre Trump est vraiment préoccupé de bagaille ça. Ancien président dans notre Trump tout monsieur prend dossier en charge et monsieur prend décision li rentrer en contact avec famille là. OK, et ancien gen un petit moun qui te gen parents qui ton congressman tout avec dit que des moun qui a fait politique dossier vraiment politique et moun yo assassiné déjà malheureusement, mais et il va cap gérer, il va cap gérer. Nous même nous pas tellement frais bouche nous dans affaires politiques États-Unis parce que nous pas connaît très bien et c'est pas la caille nous tout. Et affaires cabrit pas tellement affaires mon temps. Nous comme baio. Nous pas tellement veut frais pied trois fois. Vous comprenez moi? Mais j'aime dire nous docteur Gary Coni nous parler de monsieur, nous t'ai fort entendre hier. Nous prend fort entendre déclaration commandant Guy Philippe et arabe là qui fait un sorti qui extrêmement important. Arabe là font sorti qui extrêmement important que nous va permettre entendre. Mais comme nous étant foré aller sous Gary Coni, li tout sous écran. Et pour même qui peut entendre et comprendre qui est-ce qui Gary Coni, nous pral fort entendre et Gary Coni et pour entendre très bien. Et déclaration a été faite depuis en 2011. Ou pral entendre les pour comprendre pendant qu'on partager émission pour faciliter plus monde naturellement capable participer ensemble avec nous. Et à nous faire ça et à nous faire ça rapide parce que li très intéressant. Docteur Gary Coni, qui est actuel premier ministre, pour qu'on lève 7 traites transition, plus 2 traites transition, fait 9 traites et cadavres dans la coupe d'Haïti. En entendant Gary Coni dans le micro, radio et télévision Caraïbes. À Bruxelles, dans le cadre des Journées européennes de développement, nous avons avec nous ancien premier ministre et paysan Gary Coni, qui, dans le cadre des Journées européennes, qui est avec nous, c'était une belle surprise pour nous croiser là. Nous allons profiter, poser la question ensemble avec quelques autres et camarades journalistes sur qui ça l'a fait là et sur qui gens li a vivre les situations paysans et jeudi. Donc nous invitons à suivre le moment ça nous allons passer avec l'ancien premier ministre Gary Coni. Dans le Journée européenne de développement, qui soit fait là? Effectivement, c'est dans deux cadres. D'abord, on continue à bailler le président Sirleaf, qui est président Libéria en appui. Et l'Union africaine nomme le président Sirleaf président d'un comité spécial de 10 présidents, chefs d'État, chefs de gouvernement, pour définir une position africaine commune sur question agenda post-2015. Et dans le cadre de ça, il vient à lui-même, donc moi, je viens accompagner, moi, je viens là tout. Dans le cadre de SDS, UNSCSN, qui sont une structure que le secrétaire général a établie et qui est dirigée par Jeffrey Sachs et Earth Institute et Columbia, pour nous
aider tout dans cadre définition ça n'a pris l'agenda post 2015. N'a pas rappelé tout le monde que en l'an 2000 pays ont entendu son agenda que ont les objectifs du millénaire. Objectifs du millénaire a expiré en 2015 et je dis à un effort international pour que le monde entier entendu sous qui cadre qui pourra remplacer objectifs du millénaire. Donc qui nouvelles objectifs ni nouveaux objectifs que le monde pourra le fixer pour le bail tête li et c'est un petit peu discussion ça que l'Union européenne a focus là aujourd'hui. En 2000, nous avons 8 gros objectifs. Donc, nous avons des objectifs, par exemple, de réduction de mortalité maternelle, de scolarisation universelle, nous avons tous des objectifs sur le partenariat, nous avons des objectifs, par exemple, sur SIDA. Nous avons donc une série d'objectifs, mais qui étaient plutôt liés à des affaires de pauvreté. Et un grand changement qu'a bien dans le prochain cadre là, c'est que on focus toutefois ça sous des créations de richesses, sous création d'emplois, sous croissance. Parce que une leçon que nous apprenons au cours des 15 dernières années, c'est qu'on peut pas arriver à réduire pauvreté là niveau qu'on aime réduire là si on pas un niveau de croissance, ou pas une création d'emplois. C'est pour ça d'ailleurs que dans les pays africains, ils ont entendu et ils travaillent ensemble pour une position commune. Et position commune, ça, essentiellement, a axé sur 4 points importants que l'Afrique voulait ouais le nouveau agenda. Le transfert de technologie, les infrastructures, surtout l'énergie, la transformation économique qui pour eux est essentielle et une certaine protection environnementale parce que nous connaissons que la croissance mondiale n'a pas continué à faire s'il n'est pas faite de manière beaucoup plus efficace et s'il n'est pas faite avec beaucoup moins de pression sous l'environnement global là, qui arrivait vraiment à ses limites. Donc c'est ensemble de discussions que nous vivons là aujourd'hui hein, pour nous essayer d'arriver à un consensus. Ça très différent. De ça qui a passé là, qu'on y a par rapport à ça qui est passé en 2000. En 2000, son petit groupe qui était réuni et puis qui définit un agenda et puis ensuite le monde adopté. Fois ça, les Nations Unies et le secrétaire général établissent un agenda sous presque 2 ans pour définir ensemble, pour tout le monde participer dans la définition cadre qui pourra définir partenariat global en matière de développement durable. Agenda, c'était Nations Unies. Tu as presque demandé qui ça l'Europe. En fait, qui ça l'Europe a fait dans la question, d'autant que. Discours, il n'y a pas forcément, même si on est concentré sur l'Europe, moi j'ai l'impression qu'il a parlé de l'agenda après 2015 là, il a parlé pour le monde. Est-ce que ces mandats, ces gens secrétaires généraux là, abordent des questions qui permettent que une situation fait comme ça? Question très intéressante. Nations Unies, by Tetley, ont série d'instruments et un processus pour être capable de définir l'agenda post-2015 là. Et les créer, ça a eu les Open Working Group, un groupe de travail qui, au moment où on parle, a réfléchi sur l'agenda ça. Et éventuellement, l'État membre pourra le venir, pourra le voter sur l'agenda ça d'ici la fin 2015. Mais entre-temps, les organisations comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, voulaient assurer que eux-mêmes tout, ils ont influencé le processus global ça. Et c'est dans le cadre de ça que l'Union européenne, lui-même en tant qu'entité, voulait, et c'est pour ça que c'est un très bon document là d'ailleurs, A Decent Life for All, que m'encourage à regarder, côté eux-mêmes, ils ont une vision de qui ça pour inclure l'un et agenda post 2015. Donc, si tu veux, c'est un effort, combiné de toute structure ça pour influencer le document final là. Mais il n'y a pas de doute que le document final ça, c'est les États membres, dont Haïti, au niveau du siège des Nations Unies, qui éventuellement pourra chiter ensemble, qui pourra le voter et qui pourra le définir, qui ça gagne l'agenda ça. Et il y a des différences assez marquées que je m'attire attention à nous. Là, par exemple, pour prendre Bola Kaino, latino-américain, il y a des langages bien spécifiques qu'ils voulaient. Ils voulaient, ouais, par exemple, et contrôle sur production et consommation. Parce que je crois qu'une des plus grosses menaces qui gagne dans le développement durable, c'est les questions environnementales. Ce qu'on peut gagner, c'est qu'à partir de 2030, on peut gagner des centaines de millions de monde qui ont une économie, qui ont un potentiel d'achat plus élevé. Donc, les gens, évidemment, ils peuvent consommer énergie, ils peuvent manger viande, ils peuvent manger. Donc, la consommation va augmenter. Et au moment actuel, il y a une étude qui montre qu'au niveau actuel de consommation, nous avons consommé presque l'équivalent de 3 mondes. Donc, toute question, c'est comment est-ce que nous avons fait pour augmenter la richesse de chaque individu. Chaque individu a donc besoin de consommer plus. Et comment a fait consommer plus sans qu'il n'y ait pas un effet délétère ou un effet négatif sur l'environnement. Donc, ces discussions, ça a fait là, Kounia, pour nous lier à la fois post-2015, qui c'est l'agenda qui a remplacé les objectifs du millénaire, mais tout post-Rio plus 20, parce qu'on a changé au Brésil, en Rio plus 20, il y a un paquet de discussions sur ça, le développement durable et ses 3 piliers. Et c'est tous les 2 mouvements qui ont concilié là, Kounia, pour arriver à un agenda final. L'Europe, là, loin, nous, Belgique, loin, journée européenne de développement, on parlait de Haïti, qui, par exemple, importance Haïti gagne pour suivre journée européenne de développement, dans qui sens vous pensez. Discussion qu'a fait pendant 2 jours ça est capable d'influence ou bien capable d'impliquer Haïti.
La influence capitale est de plusieurs manières. La première chose, c'est que la discussion s'est faite au niveau mondial pour définir comment partenariat comporter. L'homme a un objectif du millénaire, par exemple, nous avons 8 objectifs du millénaire, l'éducation, la santé. Le Haïti fait programme de développement. Bailleur avec partenaire dit ah m'baoué la santé là m'baoué l'éducation là formez-t-il dans le programme pour me supporter fois ça ça paye quand quoi Haïti a essayé de faire il a essayé d'assurer que l'autre élément qui est important pour nous par exemple l'accès à la technologie le fait que nous voulons que dans les 10 prochaines années tout haïtien ait accès à internet nous voulons assurer nous que l'élément ça a tout l'agenda global là parce que c'est ça qui peut garantir que différents partenaires yo effectivement supporter nous dans le sens que nous voulons aller. C'est son premier facteur qui est très important. Mais deuxième facteur qui est très important dans la discussion ça yo aider structurer comment ou même ou pour focaliser énergie pas comment ou même ou pour mettre en place processus pour. Donc par exemple président sur l'IFLA lui-même la CAEL il a un problème de ressources naturelles. Où ça et attirer attention au soleil. Belle parole nous habitue à belle parole. Et moi-même, honnêtement, depuis environ 10 ans, je dis environ 14 ans, depuis que, oui, bien sûr, 14 ans, c'est ça, 14 ans, je suis, je comprends la politique, et depuis environ 14 ans, je comprends la politique, et je suis politique très bien, et je suis capable de dire non, 10 ans d'emblée, je comprends la politique, je suis capable de dire que je suis prêt, chaque jour. OK, ça veut dire que si m'attendé yo, yon comme si pas dans journée on te connaît même dans nuit là m'a attendre émission politique quand même. M'a le retendre quand même. Pendant 10 dernières années yo. M'attendre les sa cause, m'go facilité pour me comprendre ça nous les politiciens traditionnels haïtiens. Le nous on parle de me traiter de toute qualité bête, pas étonné nous. Konn de qui ça que m'a parlé a, konn qui ça que yo, et konn qu'est-ce qui yo. C'est des types que m'attendre yo très bien. Konn langage yo, konn le y a bay mentor. Konn le y a fait complot pour détruire pays parce que pas j'aime faut pas qui bien. On compte ça. Belle discours, belle parole, belle français, belle vocabulaire, bien articulé. Nous habitué à ça yo. Mais maintenant c'est résultat clair, concret. Nous besoin pour que nous permettre que pays saute dans ça. Est-ce que gars qu'on est capable éclater couler cette traite là pour fondre en deux pour que nous mettez courant dans pays là. Nous gros centrale électrique dans commune Kafou. Est-ce qu'on a bien courage pour dire faut centrale allumer. OK. Est-ce qu'on est capable de faciliter le tourisme dans le pays comme son nègre de l'international? Et c'est ça qui est important. Son homme vient là. Pendant que la Dominicanie a pesé à grand pas sous nous, l'on d'avance. La Dominicanie saute en bilan là comme sauté. La Dominicanie saute en bilan là, mettre 2000 en tête. La Dominicanie dit qu'on s'est sorti le 1er janvier 2024 à 25 mai 2024. Il y a eu un recevoir. 11 700 combien mille touristes en d'un pays. La Kayoui, de 1er janvier à mai, il recevra plus de 7 millions de touristes. En Haïti, nous ne recevons pas 3 graines. Ça fait ça. Kidnappé politique, gang politique, terroriste politique, tout le président politique, assassin politique, yo, c'est eux qui mettent nous là. Ça fait ça. Oligarque corrompu, qui boté copé, qui a tué mon, qui a vendu zam, qui a tué mon pays, qui a acheté zam en Dominicain niveau Haïti, qui a acheté balan Dominicain niveau Haïti, pour rendre que pays a une instabilité généralisée pour que le monde pas qu'à fonctionner en dedans pays. Mais maintenant, ça a besoin. Nous besoin stabilité. Nous besoin pays qui bouge la paix. Nous besoin sécurité. Nous besoin pour que vent changement, vent la paix, vent d'espoir souffler sur tête pays. Qui est-ce que nous capable de joindre? Nous baguette yon nan moun sa yo qui j'ai une crédibilité peuple là. Pour qu'on comprenne, 1, 2, 3, 4, ça fait Gaïkoni te pété courant 2011. Et ça qui est important pour nous. Si nous connaissons ça qui te fait le pété courant en 2011, nous allons partager ensemble avec nous. Et nous allons live. Après-midi, pour que nous jouions Naval, chaque gagne, alors, opinion chaque gagne, pour nous permettre de comprendre la réalité. Ça qui te fait M. Pété courir en 2011. Parce que notre carité, comme pour lui, il va même te faire 6 mois même. Et 4 points le te fait. Est-ce que nous avons raison? Et nous connaissons. En qui te gars qu'on y parle toujours parce que monsieur t'a parlé là monsieur t'a parlé de Haïti mais c'est en 2011 mais là maintenant nous 13 ans après c'est trop assez rapide et 2024 nous écounia qui compte Haïti monsieur tourne comme premier ministre ça va le faire et comment on rentre et c'est comment on rentre à tout le monde comment on va sortir ça va le faire mais comme Jovenel Moïse rentre en façon Jovenel rentre à 2 ans après, elle te pété coquin, elle te mette système dans d'autonomie. Est-ce que Gary Koni capable de mettre
classe politique traditionnelle haïtienne gang nan oligarque corrompu k'ap touye moun nan pays k'ap vande zam nan, est-ce qu'elle ka mete yo tête en bas? Gary Conis son jouet de l'équipe, son jouet de l'international, oligarque corrompu yo, c'est moun pa monsieur tout. Et oligarque corrompu go facilité pour faire tête ça yo vin pour yo parce que yo même à travers l'obisio, y a choisi des grands moun ça yo k'ap vin travailler pour yo. Est-ce que Gary Conis capable faciliter diaspora haïtienne capable rentrer conteneur en dans pays normalement? Est-ce que Gary Conis capable faire oligarque corrompu connaît que pays ça c'est pays de saline que lié, il va mettre pays haïtien qui doit dans pays, OK? Faire connaît que yo pas que d'autre. Est-ce que Gary Conis a capable mettre en question les assassins de Jovenel Moïse? Docteur Gary Conis, micro à pour vous. Essayez de parler toujours. Vous avez fait déclaration en 2011, mon ne pouvez pas parler pour le moment. Mais je fais peuple attendre. Les gens qui connaissent, peut-être qu'ils connaissent, ils vont attendre. Et regardez l'expression visage tout, sous son équipe. Si vous êtes sérieux, tout, il y a pour eux, oui. Parce que nous connaissons, nous connaissons bluffer, nous connaissons menteur. Nous ne sommes pas sérieux. Entendez, monsieur. Il y a un problème d'exode de capitaux partout en Afrique. Il y a un problème énorme d'exode de capitaux, côté que un paquet de coffres fait en Afrique et puis aller dans les pays plus développés. Donc, ils voulaient assurer que des éléments comme ça qui sont importants pour eux incluent tout dans l'agenda global. Là. Que les pays développés ont accepté de mettre en place des mesures qui réduisent, parce qu'on a parlé très souvent d'un montant qui dépassait ça à pays africains recevoir en assistance externe. Donc, ils voulaient assurer que les éléments ça incluent dans l'agenda tout. Donc, fort là, premièrement, pour où ça, l'autre voulait mettre qui affecte eux. Le, par exemple, il y a parlé de ça, les green, d'économie verte et restrictions que ça a imposé en termes de modèle de développement. Fort là tout pour assurer que l'élément commun qui ouvre qu'il a, il inclut l'agenda commun. Donc, c'est une discussion qui est importante. Et vous avez raison, il est loin d'Haïti, mais il est très intéressé à Haïti. C'est pour ça, ouais, d'ailleurs, le monde là. Le monde représenté. Un paquet de chefs d'État, dont le président du Niger avec lequel j'ai travaillé, quand l'homme des résidents coordonnateurs, qui vini nous être au premier ministre jamaïcain, Lila, tout. C'est parce que nous voulons faire partie de discussion, parce qu'en général, si nous pas fait partie de discussion, nous avons subi résultat de discussion au lieu que nous bénéficions de lui. Le monde est là, mais Haïti est pratiquement absent de mon activité comme ça, alors que nous posons des questions avec une autorité européenne qui dit que par rapport à la question. Et objectif millénaire là, Haïti c'est rare pays, sinon l'unique qui n'a pas atteint un objectif, 8 objectifs qui étaient fixés. Dans la région. C'est vrai que Haïti, dans la région, c'est un pays qui n'a pas fait progrès pour le taffer sous objectif du millénaire. Et c'est pour ça que c'est important que non seulement pour nous discuter, pour nous comment le prochain cadre. Mais je rappelle que entre Kounia et échéance 2015, là, nous sommes à peu près 1000 jours. Donc, il y a tant toujours pour Haïti faire progrès dans l'éducation universelle, dans la santé, dans l'équité de genre. Par contre, il faut me dire ça et je suis assez fier de ça. La question éducation, Haïti, c'est un grand pays avec ce niveau de revenu qui était atteint et cible de parité garçon-fille au niveau primaire depuis très longtemps. Et nous, en tout cas, Haïti fait pour grand pile la question réduction de sida. Donc, il y a un peu de progrès quand même qui fait, mais il y a beaucoup plus qui a à faire. Mais dans le cadre de définition de nouvel agenda, il y a certainement des éléments clés que Haïti voulait ouer le portefeuille-là. Et en ce sens, nous avons raison, il faut que nous présents. Ceci dit, il y a plusieurs forums côté discussion ça a fait. Et ici, là, je dis là, c'est seulement une forum. Donc, je suis sûr que, par exemple, au niveau des Nations Unies, New York, ou bien ambassadeur avec équipe technique ambassade là qui certainement engagé dans la discussion et à mon avis a représenté intérêt et vision pays en cas de discussion ça. Si pas une autre question pour monsieur Conis sous JEDO en tant que ancien chef de gouvernement qui regard aujourd'hui a porté sur Haïti. Tu sais, nous sommes fait presque 14 mois en Afrique mais nous suivons Haïti de très très près. Et surtout qu'on y a avec technologie qu'on gagne en forme de ça, on nous toutes là régulièrement sur internet et on lit régulièrement et tout journal sur internet. Donc on a suivi la situation de près et m'avoue que très souvent me partager, me très inquiet et me très soucieux que nous pas perdu le peu d'acquis que nous gourmet pour lire au cours des dernières années. Je suis très inquiet tout parce que l'homme a des problèmes de fond, qui c'est l'extrême pauvreté. Pourquoi est vraiment aucun velléité pour ça changer? L'homme a regardé Haïti, je me suis toujours songé qu'en 1960, il y a le même niveau de revenu que la République dominicaine. Il y a le même niveau de revenu que le Ghana. Je dis à pays, ça a eu 4-5 fois le niveau de revenu d'Haïti. Donc en fait, les problèmes de fond du pays, la pauvreté, ne sont pas en train de s'améliorer. La classe moyenne est détruite. Je dis à un professeur à l'école, pas qu'à vivre de revenus comme professeur à l'école. Un chauffeur taxi, un petit machin, il y a un pile de problèmes pour le joindre les deux bouts. Et ces problèmes de fond, là, malheureusement,
ou moins il pourquoi attaque. Les problèmes d'environnement, 1940, nous avons la même couverture environnementale que la République dominicaine, 40%. Je dis à nous à moins de 2%, à peu près 1,5%, alors que la République dominicaine qui a 40% par là. Et c'est des problèmes qui parlent des répercussions à long terme, longtemps d'exporter sucre. Je dis à nous importer 100% de sucre que nous mangeons. Donc, pour gagner des problèmes de fond qui demandent une solution consensuelle, une solution concertée. Je pense que c'est une très mauvaise approche pour mon quoi qu'à partir du gouvernement, à partir du palais national ou du bureau de la primature, on est capable de résoudre le problème Haïti. Le problème là, c'est que vraiment pour arriver à créer un climat côté chaque monde arrive à contribuer pour résoudre le problème de fond. Moi, c'est important tout que pour expliquer à Haïti que développement et haïtien que problème de développement, il prend temps pour résoudre. Et au fur et à mesure, il faut qu'on explique la population, mais il faut faire, mais comment on n'a pas avancé. Il faut pas faire des promesses démesurées. Son peuple qui fait preuve d'un pile patience, mais il faut qu'on explique le soit fait, comment on fait pour le comprendre et pour le participer. Donc en gros, l'homme garde par exemple, j'étais en Éthiopie, je suis retourné en Éthiopie le 10, je regarde le progrès Éthiopie fait en 10 ans, son pays qui vraiment pour avoir une économie émergente dans les 15-20 prochaines années, je regarde pour l'effort que vous faites en termes de mettre en place institutions, mettre en place structures. Là, on a regardé pour moi, il faut qu'on fait un peu partout en Afrique, des pays qui étaient loin derrière nous. Là, en Niger, côté MDI, il y a seulement 4 ans, comment vous faites pour vous-même y arriver à partir du programme présidentiel, les troisièmes du Niger, le Niger nourrit le Niger. Comment vous arrivez à mettre en place un programme cohérent pour vous faire pays avancer. Moi-même, c'est quand même douloureux pour moi que nous-mêmes, que nous pouvons vraiment prendre direction de développement et nous pouvons bailler leçon de développement que nous croyons que nous cabaillons le monde, même j'en débat leçon en 1804. D'après vous-même, c'est qui bon problème, non? Il est quelque part quand même. Tu sais, le problème là, c'est que cette incompréhension, cette mauvaise compréhension du développement que nous croyons que changement absolu du palais national de la primature, changement absolu dont il faut concerter de tout secteur, de tout éléments dans la société. Ils sautent dans l'unité. Ça veut dire qu'il faut le secteur privé à jouer rôle. Il faut avoir suffisamment de confiance dans l'État pour jouer rôle. Il faut le secteur social jouer rôle. Il faut évidemment le gouvernement et le Parlement jouer rôle. Donc, il faut que son effort collectif, pas rien qu'à tomber d'en haut et puis suffisamment et puis subitement on va pouvoir tout bailler résoudre. Je crois que ça son premier et incompréhension rien. Deuxième bailler, c'est que nous croyons tout que le problème n'est pas seulement un problème ici. Nous croyons sincèrement que la communauté internationale là gain part de responsabilité dans l'incapacité nous pour avancer. Évidemment, responsabilité avancée, c'est avant tout responsabilité pas nous comme haïtiens, mais les partenaires aussi, particulièrement après le tremblement de terre. Ils ont fait des promesses que pas qu'un nécessairement. Ils ont pris un engagement qui n'est pas cohérent du tout. Ils ont pas permettre que le gouvernement et l'État ici en prennent direction reconstruction. Et pour moi, ils n'ont pas vraiment bénéficié de l'opportunité qui était créée même après le tremblement de terre. Donc, son convergence de facteurs, mais surtout, le regard des pays qui ont avancé, même Libéria, côté Monsieur fait 14 mois, bon élément essentiel, c'est que c'est vraiment un effort de toute la communauté de vouloir résoudre les problèmes. Et vraiment tout le monde met ensemble pour apporter petites contributions par eux. Et le mérite appartient à tout le monde par un groupe. Donc pas une compétition entre les différents groupes pour dire qui est-ce qui résout le problème. Mais vraiment, c'est un effort concerté. Donc on croit que ça. Dernier point, je dis sur ça, c'est très important. Je pense que le regard des difficultés haïtiennes, il faut tout secteur remettre tête en question. Il faut tout secteur interroger tête. Pour tout secteur, on a des têtes qui savent faire différemment à partir de 2014. 2014, c'est le 210e anniversaire de notre indépendance, c'est le 4e anniversaire du tremblement de terre. Il faut commencer à parler de Haïti 2, d'une nouvelle révolution, d'un nouveau 1804, avec une nouvelle image de s'annouveler de Haïti. Et remise en question, ça, il faut tout secteur faire le priori en 2014. Qui ça va changer le comportement? Parce que définitivement, ça me tape fait avant, n'est pas nécessairement abouti. Docteur Koning, parce qu'en tant qu'ancien Premier ministre, vous faites l'expérience et de l'aide au développement. Et notamment, où est notre gouvernement, côté président de la République, là, qui est toujours en fonction, l'administration toujours en fonction, taponné et investissement en place aide au développement. Et je pense que plus fort monde d'accord aujourd'hui que aide au développement, ce n'est pas lui-même qui a mené vers le développement. Mais Haïti, justement, a un dilemme parce qu'il est obligé de continuer à bénéficier de l'aide au développement. Maintenant, quelle meilleure stratégie vous pensez que le gouvernement a dû gagner entre l'aide et le développement? En fait, maintenant, parler avec le recul, puisque vous même dans les affaires publiques. Je dis à vous en dehors, vous faites expérience d'autres pays, ou suivez l'expérience qui a parlé. Et qui meilleur choix que tu as fait entre l'aide au développement et l'investissement qui t'aide à venir aujourd'hui?
c'est une question très importante. Moi, personnellement, je crois que ce n'est pas une ou l'autre. Pour le moment, quand on pile pays qui a avancé, je parle de l'Éthiopie tout à l'heure, qui a fond pour énorme, côté que la diaspora éthiopienne a investi massivement dans l'infrastructure, dans la construction en Éthiopie. Mais ceci dit, l'Éthiopie est encore le premier pays pour le financement de la Grande-Bretagne, par exemple, et le premier pays à recevoir l'aide américaine en Afrique. Donc, c'est pour te dire qu'il y a de la place pour les deux. Mais ça demande trois choses, et tu as raison. D'abord, il faut renégocier cette aide, il faut renégocier cette assistance. Ça, il n'y a pas de doute. Fonchita avec partenariat, en tant que partenaire, et moi, ça fait dans plusieurs pays. Après le tsunami en Indonésie, moi, gouvernement indonésien, Chita, en tant que partenaire pour la communauté internationale, là, premier bail m'a fait, c'est que moi, mes comme m'a mis. Deuxième bail m'a fait, c'est que ce que je voulais aider maintenant, comment je voulais aider, pas autre chose. En 2004, moi, après avoir en Éthiopie, moi, le gouvernement éthiopien dit, Banque mondiale, que dans ces conditions, monsieur, prends quoi boire, à le faire autant. Donc, il y a moyen pour nous de renégocier avec nos partenaires et en tant que partenaire debout. Et ça, son bagage que nous croyons que nous avons fait et nous devons faire. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu as raison. Haïti a un paquet de potentiel pour être capable de développer. Nous ne pouvons pas même entrer dans la question ressources naturelles. Moi-même, toutes les données que moi sous ça, fait que nous avons une richesse dans ce sol nous, qui est encore inexploitée et qui crée un potentiel. Deuxième élément nous gagnons, c'est les près de plus de 4 millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger et qui transfèrent 2 milliards de dollars. Si nous créons les instruments appropriés, nous avons moyen là vraiment pour mobiliser un capital énorme. Ça veut dire que Haïtien a dit, au lieu de mettre un petit coup de la banque là, pour apporter 1% semaine ça, je mettre dans un projet d'infrastructure qui a apporté 6-7%. Donc, potentiel de capital de diaspora, il ne faut pas négliger. Et troisièmement, il y a des opportunités d'investissement tout qui est extraordinaire, mais pour ça, il faut créer les circonstances qui pourraient assurer. Ces investissements sont actes de foi liés. L'on est mettre un coup de leader. L'on partenaire étranger, l'ouvre la carte du monde, il gagne 10 millions de dollars pour l'investir. C'est pour moi des têtes. Pour qui ça l'a dit, c'est Haïti. Si je mette 10 millions de dollars, ça. Donc, il faut avoir raison. Et raison, il faut avoir bien. Ça veut dire qu'il faut résoudre le problème de propriété de cadastre. Il faut résoudre le problème de justice. Parce que l'un n'est pas venu dans le pays où il y a un conflit, il faut le connaître que l'on est capable de gagner justice dans le cas de conflit et que le cas fait justice ça a confiance. Donc, on n'a pas qu'un problème pour résoudre, pour rassurer l'investisseur. Et si on arrive à faire ça, moi, je crois arriver effectivement à mobiliser le capital qu'on a besoin pour capable faire un investissement massif dans toute qualité de projet d'infrastructure et dans le projet social. Tout. Là, je regarde par exemple au Mexique, il y a un programme Tres por Uno qui est extraordinaire. Le gouvernement mexicain il met 3 dollars pour chaque grain de dollars en diaspora. Le Mexicain envoie la CAELI pour les petits pour les travaux d'infrastructure communale. Un projet comme ça que nous-mêmes nous travaillons avec la Banque mondiale, côté que nous avons capitalisé sur la diaspora pour chaque grain de dollars. Vous voyez, nous, gouvernement match li pour nous assurer que dans 10 départements, dans toute section communale, il y a des efforts qu'a fait. Donc, ça, c'est au niveau, si tu vois, décentralisé. Mais on a moyen tout pour mobiliser capital massif pour faire des bailleurs et des investissements qui rentables, par exemple, en énergie. Donc, on a moyen pour créer un environnement pour générer capital pour capable effectivement faire des travaux d'infrastructure. Genre, ça fait un peu partout. Donc, il faut arriver à concilier vraiment le tout. Et je dis à mon consensus, c'est pour ça. Tout pays reconnaît que faut joindre quoi faut il faut que la communauté internationale ait un bel engagement que le défait de 0.7 dans le cadre OMD. Je rappelle que tout le monde a pu atteindre 0.7% de revenus que tu as investi en matière de développement. Deuxième bail encore fort, et c'est pour ça que Fora ça est très intéressant, distribution ressources pas basée sur les besoins. Donc ça veut dire qu'il y a des pays comme l'Irak qui recevront une partie énorme d'assistance externe, alors que eux-mêmes, ils ont des ressources naturelles. Donc, ils sont basés sur une réalité géopolitique, sur l'intérêt des bailleurs. Donc, une discussion intéressante et importante qui pour des pays émergents, toujours dit, à cap entrer dans le milieu et assistance là. Par exemple, le Brésil, par exemple, la Russie, je dis. Donc, il y a des opportunités pour nous renégocier comment partenariat a fait. D'ailleurs, nous allons parler de l'assistance, encore, on a parlé de partenariat. Et parallèlement à ça, nous faisons pour la CAENO, créer un environnement pour que les gens intéressés, mobiliser le capital que nous gagnons dans la diaspora, mobiliser le capital que nous gagnons interne en Haïti, parce qu'il y a des réformes que faut faire qui sont capables de permettre de mobiliser le capital. Moi, je crois que, par exemple, la politique fiscale, nous, je dis, pas permettre de mobiliser excédent de capital qu'on gagne en Haïti même pour faire investissement. Donc, on équipe bagaille comme qu'on a fait intelligemment qui pour faire comme ça arrive. Fort de toute considération que vous faites là, est-ce que nous sommes capables de conclure que si pas un effort considérable qui fait et objectif que le gouvernement Martelly, Lamotte l'a fixé, qui sait faire d'Haïti un pays émergent en 2030, sont utopies? Pourquoi que faut un effort collectif et cohérent
Donc surtout, ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'arrive pas à mobiliser tous les secteurs de la vie nationale, c'est peu probable que on va réaliser l'objectif ou on va opérer quand on va aller pour compte. Développement, c'est encore une fois, c'est pour aller que palais national en pays fait. Donc on croit que l'approche là, faut élargir, faut reconnaître implication et importance implication tout secteur, faut bailler tout secteur opportunité pour contribuer, intérêt pour contribuer. Et avec ça, parce que j'aime toujours dire, il n'y a pas une fatalité haïtienne. Fort heureusement, pas grand problème qu'on a en Haïti pour lequel pas déjà des solutions éprouvées. Mais si mon école, je dis à son bail, nous connaissons comment on fait. Résoudre les problèmes sanitaires que nous gagnons, santé que nous gagnons, accès à l'eau potable, tout ça, c'est des problèmes que normalement on peut résoudre sous 27 500 km² avec 10 millions de monde. Mais le défi, c'est comment on peut mettre toutes composantes, incluant les partenaires internationaux, ensemble autour d'un programme cohérent, côté qu'on bail les garanties qu'il faut, côté que l'État haïtien bail la direction qu'il faut, et puis ensuite qui permettent nous avancer comme ça se fait un peu partout. Récemment, là, avant tout ça, on a regardé pour moi et avancé un pays comme Malawi a fait dans certains domaines. On trouvait que c'est extraordinaire parce qu'il est arrivé au niveau sectoriel, mettre partenaires ensemble pour être capable de faire des investissements cohérents. Et ouais, vraiment, on a regardé pour moi un pays comme l'Éthiopie qui a 1 million de kilomètres carrés, presque 80 millions de monde qui ont un gros problème de mortalité maternelle. Ils ont fait des avancées extraordinaires dans presque tout indicateur santé. Ce qui est remarquable. Mais ça, le gouvernement éthiopien a été fait. Ils ont fait une distribution de 35 000 travailleurs communautés. Ils ont fait avec Kobio, parce que la communauté internationale, justement, pas de payer, pas de payer et salaire. Et en moins de 5 ans, ils ont des avancées tangibles en matière de santé. Donc, moi, je crois que c'est un débat comme ça que nous avons fait. Et avec ça, nous avons enfin, par la population haïtienne, soulagement que l'Aptan. Très bien. Voilà, c'était docteur Gary Conny. Qui actuel premier ministre pour qu'on lève cette tête là dans la coupe d'Haïti plus deux traites yo fait 9 traites et qui pral alors qui finalement capable dire officiellement monsieur arrêté à sortir dans journal officiel le moniteur paysan. OK, côté que monsieur c'est nouveau premier ministre paysan Gary Conny. Aïe 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 Haïti. Haïti Haïti chérie nan Haïti Haïti, belle femme, moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Haïti. Dis ça encore. Pour ti pays, pour Haïti, pour peuple bon Dieu, a capé souffrir. Si t'es soleil qui l'en souffrance, pas gen sacrifice qui trop grand. Dis pour ti pays, pour Haïti, petit pays nan pour peuple bon Dieu m'lan si t'es soleil qui l'en souffrance pa gen sacrifice qui d'ouvre qui trop grand. Et n'a pas avancé. Voilà, nous pral tande et commandant en chef révolution pour libération pays d'Haïti 2024 là qui c'est commandant Guy Philippe qui réagit sous et ça qui gen pouwè avec et dossier qu'on lève cette traite là. Mais entre-temps, Arab la font une intervention qui est extrêmement importante tout comme nous connaissons Arab la son mission difficulté et système dans mettre système dans coalition gang dans a bay monsieur problème et a bay monsieur plus problème. OK? Et Arab lance besoin support chaque gang non parce que il mettait à vide recherche des Arab blanc faut que nous fait tout ça qu'on capable pour que ça li levé persécution ça li fini et en avancé en autant des arabes là c'est très intéressant tout à l'heure notre entendez Maslem Itil qui c'est président équipe arabe là dans la coupe d'Haïti et est-ce que tout à l'heure est-ce qu'il entend l'arabe là très bien. Et est-ce qu'il y a un problème? Vérifier ça. Ben nous ouais toujours. Pour nous connaître si c'est et pour nous connaître si c'est nous qui avons un problème là. Ben nous vérifier d'abord. Et naturellement pour nous voir si c'est nous de côté pas nos problèmes là. Pour nous capables résoudre définitivement et bon côté pas non
On va essayer dans l'autre device. Très bien. On va laisser l'autre possibilité pour nous si nous avons arabe là. C'est très, très intéressant pour nous avoir attendu Maslin. Et depuis dans la coupe pays d'Haïti. Et nous allons essayer une autre façon pour nous essayer d'attendre Maslin. Et tout à l'heure, qui s'est passé? Est-ce que nous t'as dit arabe là? Ça va sortir. Permettez-moi et vérifier bagay pendant quelques secondes pendant attendant continuer attendre docteur Garikoni. Gouvernement et parlement jouer rôle yo. Donc son faut que son effort collectif, pas rien qu'à tomber d'en haut et puis subitement on après tout bah résoudre. Je crois que ça son premier et incompréhension rien. Deuxième bah c'est que nous croyons tout que problème n'est pas seulement un problème ici. Nous croyons sincèrement que communauté internationale là bien part de responsabilité l'incapacité nous pour avancer. Évidemment responsabilité avancer c'est avant tout responsabilité pas nous comme haïtiens, mais les partenaires aussi particulièrement après le tremblement de terre. Yo fait des promesses que pas qu'un nécessairement yo pour engagement qui pas cohérent du tout, yo pas permettre gouvernement et état ici en prendre direction reconstruction et pour moi nous pas vraiment bénéficier de l'opportunité. Très bien. Grand petit problème pour nous tendre Maslin, m'a pas aller faire les en l'autre façon parce que c'est très intéressant pour que nous tendre équipe arabe blanc dans intervention li. Et c'est extrêmement important pour nous entendre Maslin Mirtil qui c'est président équipe arabe blanc parce que c'est un petit problème technique mais même faut que quelque chose c'est nous entendre lui faut me qu'attendre le tout vous comprenez moi et faut me qu'attendre le tout et on regarder voilà si nous t'as le faut attendre et Maslin et depuis dans la coupe pays d'Haïti c'est n'a qu'à prendre son ça là regardez après c'est nous tendez Maslin OK n'a pas avancé voilà n'a pas laissé là aussi n'a pas attendez Maslin mais en tout temps attendez et Garikoni toujours tech t'est créé même après tremblement de terre donc son convergence de facteurs mais surtout là m'a regarder pays qui a avancé qu'il y a même Libéria côté monsieur fait 14 mois bon élément essentiel c'est que c'est vraiment un effort de toute la communauté de vouloir résoudre les problèmes. Et vraiment, tout le monde met ensemble pour apporter petites contributions par eux. Et le mérite appartient à tout le monde par un groupe. Donc, pas une compétition entre les différents groupes pour dire qui est-ce qui résout le problème. Mais vraiment, c'est un effort concerté. Donc, on croit que ça. Dernier point, je dis sur ça, c'est très important. Je pense que le regard des difficultés haïtiennes, il faut que tout secteur remette la tête en question. Il faut que tout secteur interroge la tête. Tout secteur m'a dit qui ça va le faire différemment à partir de 2014. 2014, c'est le 210e anniversaire de notre indépendance, c'est le 4e anniversaire du tremblement de terre. Faut commencer à parler de Haïti 2, d'une nouvelle révolution, d'un nouveau 1804 avec une nouvelle image de ça nouvelé de Haïti. Et remise en question ça, il faut tout secteur faire le dire en 2014 qui ça va changer le comportement parce que définitivement ça m'a fait avant, n'est pas nécessairement abouti. Docteur Kone, je pense qu'en tant qu'ancien Premier ministre, vous faites l'expérience de l'aide au développement et notamment au tenant gouvernement côté président de la République là, qui est toujours en fonction, l'administration toujours en fonction, taponné et investissement en place aide au développement. Et je pense que plus fort monde d'accord aujourd'hui que l'aide au développement, ce n'est pas lui-même qui a mené vers le développement. Mais Haïti, justement, a un dilemme parce qu'il est obligé de continuer à bénéficier de l'aide au développement. Maintenant, quelle meilleure stratégie vous pensez que le gouvernement a dû gagner entre l'aide au développement, en fait, maintenant, parler avec le recul, puisque vous êtes dans les affaires, publiques. Je dis à ou en dehors, ou faire expérience dans d'autres pays, ou suivre l'expérience qu'a parlé. Et qui meilleur choix que tu as de fait entre l'aide au développement et l'investissement qui t'aide à venir aujourd'hui? C'est une question très importante.
Moi, personnellement, je crois que ce n'est pas une ou l'autre. Pour le moment, quand on pile pays qui a avancé, je parle de l'Éthiopie tout à l'heure, qui a fond pour énorme, côté que la diaspora éthiopienne a investi massivement dans l'infrastructure, dans la construction en Éthiopie. Mais ceci dit, l'Éthiopie est encore le premier pays pour le financement de la Grande-Bretagne, par exemple, et le premier pays à recevoir l'aide américaine en Afrique. Donc c'est pour te dire qu'il y a de la place pour les deux. Mais ça demande trois choses, et tu as raison. D'abord, il faut renégocier cette aide, il faut renégocier cette assistance. Ça, il n'y a pas de doute. Fonchita avec partenariat, en tant que partenaire, et moi, ça fait dans plusieurs pays. Après le tsunami en Indonésie, moi, gouvernement indonésien, Chita, en tant que partenaire pour la communauté internationale, là, premier bail m'a fait, c'est que moi, mes corps m'a mis. Deuxième bail m'a fait, c'est que ce qu'on voulait aider maintenant, mes corps m'ont voulu aider, pas autre chose. En 2004, moi, j'ai travaillé en Éthiopie, moi, ouais, gouvernement éthiopien, dit Banque mondiale que dans ces conditions, monsieur, prends quoi boire, à le faire autre. Donc, il y a moyen pour nous de renégocier avec nos partenaires et en tant que partenaire debout. Et ça, c'est un bagage que, ouais, que nous avons fait et nous devons faire. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu as raison. Haïti a un paquet de potentiel pour être capable de développer. Nous ne pouvons pas même entrer dans la question des ressources naturelles. Moi-même, toutes les données que moi sur ça, fait que nous avons une richesse dans ce sol nous, qui est encore inexploitée et qui crée un potentiel. Deuxième élément nous gagnons, c'est les plus de 4 millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger et qui transfèrent 2 milliards de dollars. Si nous créons les instruments appropriés, nous avons moyen là vraiment pour nous mobiliser un capital énorme. Ça veut dire que Haïtien a dit, au lieu de mettre petit comme la banque, la rapporter 1% semaine ça, m'a mettre dans le projet d'infrastructure qui a rapporté 6-7%. Donc potentiel de capital de diaspora, il ne faut pas négliger. Et troisièmement, il y a des opportunités d'investissement tout qui est extraordinaire, mais pour ça, il faut créer les circonstances qui pourraient assurer. Ces investissements sont actes de foi liés. L'on est mettre comme leader, l'on partenaire étranger, l'ouvre la carte du monde, il gagne 10 millions de dollars pour l'investir. C'est pour moi des têtes. Pour qui ça l'a dit, c'est Haïti. Si je vais mettre 10 millions de dollars, ça. Donc, il faut avoir raison. Et raison, il faut avoir bien. Ça veut dire qu'il faut résoudre le problème de propriété, de cadastre. Il faut résoudre le problème de justice. Parce que l'un est gravé dans un pays où il y a un conflit, il faut connaître que l'on est capable de gagner justice dans le cas de conflit et que le cas fait justice, ça a confiance. Donc, on n'a pas quatre problèmes pour résoudre, pour rassurer l'investisseur. Et si on arrive à faire ça, moi, je crois arriver effectivement à mobiliser le capital qu'on a besoin pour capable faire un investissement massif dans toute qualité de projet d'infrastructure et dans le projet social. Tout. Là, je regarde par exemple au Mexique, il y a un programme très sport ou non, qui est extraordinaire. Le gouvernement mexicain, il met 3 dollars pour chaque grain de dollars en diaspora. Le mexicain envoie la CAELI pour les petits travaux d'infrastructure communale. Un projet comme ça que nous-mêmes, nous travaillons avec Banque mondiale, côté que nous avons capitalisé sur diaspora pour chaque grain de dollars. Vous voyez, nous, gouvernement match li pour nous assurer que dans 10 départements, dans toute section communale, il y a des efforts qu'a fait. Donc, ça, c'est au niveau, si tu vois, décentralisé. Mais on a moyen tout pour mobiliser capital massif pour faire des bailleurs et des investissements qui sont rentables, par exemple, en énergie. Donc, on a moyen pour créer un environnement pour générer capital pour capable effectivement faire des travaux d'infrastructure. Genre, ça a fait un peu partout. Donc, il faut arriver à concilier vraiment le tout. Et je dis à mon consensus, c'est pour ça. Tout pays reconnaître que faut joindre quoi faut il faut que communauté internationale ait un bel engagement que le fait de 0.7 dans le cadre OMD. M'a rappelé que tu font que tout tu as pas l'atteindre 0.7% de revenus que tu as investi en matière de développement. Deuxième bail encore fort et c'est pour ça que fora ça est très intéressant. Distribution ressources pas basée sur les besoins. Donc ça veut dire qu'au gain des pays comme l'Irak qui recevront en partie énorme d'assistance externe, alors que eux-mêmes, ils ont des ressources naturelles. Donc, ils sont basés sur une réalité géopolitique, sur l'intérêt des bailleurs. Donc, une discussion intéressante et importante qui pour nous, il y a des pays émergents, toujours dit, à cap rentrer dans le milieu et assistance là. Par exemple, le Brésil, par exemple, la Russie, je dis. Donc, il y a des opportunités pour nous renégocier comment partenariat a fait. D'ailleurs, nous allons parler de l'assistance, encore, on a parlé de partenariat. Et parallèlement à ça, nous faisons pour la CAENO, créer un environnement pour que nous intéressés, mobiliser le capital que nous gagnons dans la diaspora, mobiliser le capital que nous gagnons interne en Haïti, parce qu'il y a des réformes que faut faire qui sont capables de permettre de mobiliser le capital. Moi, je crois que, par exemple, la politique fiscale, nous, je dis, pas permettre de mobiliser excédent de capital qu'on gagne en Haïti même pour faire investissement. Donc, on équipe bagaille comme quoi qu'on a fait intelligemment qui pour faire comme ça à vie. Fort de toute considération que vous faites là, est-ce que nous sommes capables de conclure que si pas un effort considérable qui fait et objectif que le gouvernement Martelly, Lamotte, la fixelle qui sait faire d'Haïti un pays émergent en 2030? Très bien, et voilà, nous t'attendons et Gary Conin, nous t'avons passé parti ça pour nous attendre pour nous résoudre un petit problème technique qui t'a gagné pour nous permettre tout de dernier sort et garder dernier sorti que Maslem Itil, Arabe l'affaire et Neg Arablan et fait. OK,
pour nous faire autant d'élits. Et dernier sortillant qui est extrêmement important parce que monsieur Didier Causé qui est très intéressant et nous connaît Arabla son combattant son équipe à conviction son équipe vraiment pile pour prise de position là son équipe pas changé camp son équipe campé dans camp côté le camp Arabla a toujours pas au champ de bataille Arabla parlé c'est pas très très fort pour le temps dit et c'est si intervention Arabla là qui j'a pour management cardio si bonne pochon yo si bonne chez ça yo et comme qui j'a pour mener yo en même journée aujourd'hui elle va tout collaborer yo ensemble monsieur Ensemble pour voter Gary Conny. Gary Conny t'a sorti comme un citoyen qui puis honnête comme premier ministre. Mais c'est moun qui présente là. Alain garde nous un grand présidentiel qui pas venir de rien. Qui gagne plus que un mois dans tête pays là. C'est dit la fois qu'a fait, c'est lui qui a volé sous de l'autre. Par contre qui ça a réglé? Créé a fait parce que peuple a la souffrance. Tout le monde connaît arabe campé dans une révolution, une stabilité pour pays là. Que nous même quel que soit monde qui voulait venir mettre la paix dans pays là. N'a collaboré, mais c'est pas si vous gagnez ça, si vous voyez ça, Arab a collaboré avec vous. Je veux dire, regardez bien pour nous, qui ça blanc fait vous? Blanc prend comme son bon cabrit, yon bon chien, blanc ramasse vous, fait vous courir, voyez vous bayo l'el le. Mais qui ça devine gagner? Dès que ça vous parle, Gary Conny dans l'international là, on a ce Gary Conny, pas yon nan moun haïtien qui là, qui honnête, qui dit, qui te ka dirige. Place premier ministre, c'est si vous voyez ça vous même. Blanc qui a utilisé. C'est ça que je vous dis à nous. C'est Gary Conny, blanc dit gardez. Afin de parler de Fils Belize, de parler de Didier Fizébé, gardez. Passez caca. C'est moun pam nan, c'est lui pour passer. En parlant de ça, 6 moun qui votent Gary Conny. Tous les 6 moun, ça a chaque 2 millions de dollars fait quand même. Didier Fizébé, bah au chat. 2 millions de dollars pour yon voter Didier Fizébé. Je dis en bas pour Didier Fizébé, non? Parce que tout le monde connaît ce secteur privé à te voyer Didier Fizébé. Comme ça, distribué à même moun nous qui vote Gary Conny. C'est plus mal là, quand ça qui bagaille, moi, c'est l'ami, moi, mes amis. C'est bon partenaire, moi, yon. Mais moi, il connaît grand monde, là, tout d'aïper sous lit, un fait green mass de ma vie d'accueil. Et même, je dis ça honnêtement, c'est vite sous moi là. Ouais pays ça m'a dit non bagay honnêtement n'a pas sauver Haïti oui mais c'est le nous choisir définitivement retirer déchets politiques ça sous monde définitivement ou alors tolérer un vagabond comme si fait n'importe bagay et pour tolérer il continue à faire et la continue à faire. Li passe dans risible by blague ça m'avait mais la réglage ça fait personnel li. C'est moi Jean Chaloué là depuis 30 ans oui il a même pratique ça même comportement ça depuis 30 ans. Est-ce que nous ca continuer est-ce que nous ca quitter le continuer négatif li pas ca continuer faut que nous prenne toute disposition pour que ça pas continuer. Gen pile démarche qui fait dans le pays ya. Pour Haïti te prendre rail pour te sortir mais nous pas ca sortir. Parce que tout simplement, un système qui établit, système ça décide, c'est pour contrôler tout bagay. Quel que soit le monde qui vient pour faire un effort pour permettre que le pays s'assoutine dans sa gueule nouvelle, il a assassiné ou, il a éliminé ou, il a fait toute qualité bagay ensemble avec ou. Et dans ce sens, seul moyen, parce que nous sommes capables de sortir, c'est avec des démarches que Guy Philippe a entreprendre, qui peut-être, ou même personnellement, vous l'avez dit tout, ou est ou pas marché rapide. Est-ce que la babouti? Oui, je pense que le cap a babouti. Parce que le peuple, pas jamais perdu bataille, je me dis non. Depuis c'est le peuple qui prend décision, je garantis la privée, tôt ou tard. Et c'est ça que monsieur ouais tout. Qui cause ouais, il prend décision pour essayer de rassembler les têtes pour faire tout ça que vous capable dans les médias. Mais ouais, qu'il n'y a pas de support, pièce pour la population. Et il n'y a pas demandé la population à valider tout, parce que le peuple n'a pas voulu. Et la bataille n'est pas facile. Je pourrais permettre de nous vivre, qui compte négocier.
avec Haïti pour mener là. Moi faire nous vivre un bagage qui est extrêmement important. Et c'est là m'a dit nous encore une fois nèg ici si vous avez courage, vous tapez et prenez conscience. Et si vous êtes monde tout, vous va arriver faire crime ça. Nous pas le temps des président Jovenel Moïse. Et c'est une bagaille, l'on n'a pas parlé de Dimitri Vob, moi Dimitri Vob, il y a des gens qui parlent pour lui, qui essaient d'attaquer les gens pour lui. Je dis Dimitri, on va peut-être un problème pire. Donc ces jeunes-là, nous ne pouvons jamais faire un vagin ensemble avec elle, même dans le rêve. Elle a trop clé, elle a trop cri. Vous comprenez? Le crime nous fait trop mal. Nous fait même mal, là, nous fait mal. Je me permets tout le temps de Jovenel Moïse. Et puis même après mission, ça Jovenel Moïse est fini de faire. Nous avons sorti pour être menacé, journaliste menacé. Radio a bouté boulel. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était l'opposition politique là, haïtien, qui a fait pour Dimitri Vob. Entendez Jovenel Moïse. Cette édition est spéciale puisqu'elle est pré-enregistrée. Il s'agit d'une interview que le président de la République a accordée à Métropole au cours du week-end dernier. Au cours de cette interview, Georges Alain et moi avons pu aborder plusieurs facettes de la crise actuelle avec le président Jovenel Moïse. Va-t-il démissionner? Les contrats, les franchises douanières, les réformes, etc. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Président Jovenel Moïse, bonjour. Merci parce que vous acceptez de répondre à la question Métropole dans un contexte si difficile, un contexte particulier. Et même si que nous apprenons que c'est dans le cadre d'une série d'interviews qu'on va accorder à la presse et qu'on va accepter de recevoir matin pour interviewer ça. Première question que nous avons posée. C'est tout secteur, je dis, hein, qui levait campé contre vous, qui a demandé pour le président Jovenel Moïse démissionner. Nouvelle SAO, appel SAO, vous voulez, vous faites écho dans l'oreille. Vous entendez? Sûr. Est-ce que le président Jovenel Moïse a démissionné Jean Larue a demandé ça? Premièrement, Wendel m'a dit merci parce que, en fait, au bon chien ce matin pour me parler avec le peuple haïtien. Et avant de commencer, je vais profiter de ce moment pour me présenter sympathie à monde qui perdu, monde qui cher à eux dans un moment difficile ça, parce que le pays, depuis, je dirais tantôt 2 ans, on a connu des moments extrêmement difficiles. Depuis le 12 septembre 2017, il y a des manifestations qui commençaient dans le pays. Ils ont intensifié à partir de l'événement 6-7 juillet. Je profite du moment ça pour me dire, pour me présenter sympathie à tout le monde qui est victime d'une façon ou d'une autre façon de moments difficiles. Petit machin qui perd du business, le monde qui a un camion, propriétaire camion qui a incendié, le monde qui a un magasin, qui a une boutique qui a pillé. Et c'est pour ça que nous prenons décision au niveau du ministère commerce pour qu'il y ait une commission qui mette sous pied. Je connais qu'il y a des gens qui sont au courant et je connais qu'il y a des rapports qui commencent à sortir sous ça. Et la police nationale qui fait un travail dans ce sens-là pour identifier toutes victimes à travers tout le pays. Je n'étais pas là avec le Premier ministre qui dit que à travers direction police judiciaire ou un travail de d'enquête qui a mené tout. Moi, je crois que l'important pour Mounzaro, pour me dire que nous-mêmes, aujourd'hui, nous croyons que ce n'est pas ça que le pays a mérité, ce n'est pas ça eux-mêmes tout qui ont mérité. Mais le moment est difficile, nous avons un moment de crise, une période qui est extrêmement difficile, moi, qu'on est. Et c'est pour ça que je me présentais. Je prends un petit temps pour me dire que Jean en pilgrim, on nous dit, le poil fait clair, c'est le sal fait pinoir. La question que je ne comprends ni et je me dis que aujourd'hui, 2019, c'est le président Jovenel Moïse qui est au pouvoir, et 2 ans, 8 mois à de pouvoir, et on dit qu'il a gagné en pile. Secteur dans la société qui m'a demandé président pour démissionner. Je profite pour me dire, et si nous attendons l'autre résultat
avec même ça que nous faisons, nous toujours commettre les mêmes erreurs parce que même causes ont produit les mêmes effets. Et je dis, de 1986 à aujourd'hui, le pays a 15 présidents, 22 premiers ministres. Ça veut dire que si nous faisons moyenne, nous avons 33 ans depuis 1986 à aujourd'hui. Ça veut dire chaque 2 ans et quelques mois pour le pays a presque qu'on a un président si nous faisons moyenne. En regard des situations de 1986 à aujourd'hui, garder indicateur nous comme vous voyez. Et pendant 33 ans, nous prenons occupation militaire étrangère pendant 14 ans. Andan. Et si nous suivons pendant 14 ans, ça, c'est le ça, pays a été connu en stabilité, je dirais, apparente. Pays a été relativement calme. Est-ce que nous qui avons dit ça, c'est un modèle qui marchait? Ça veut dire que son pays, c'est chaque temps qu'on président qui est élu, c'est un coup qu'il faut gagner une force étrangère qui peut mettre nul au pouvoir. Moi, je pense qu'avec l'arrivée de Jovenel Moïse à la tête du pouvoir et la crise que nous avons aujourd'hui, je pense que le pays a une opportunité pour nous faire bailler l'autre genre. Que nous ne pas obliger leur crise politique, c'est des luttes à mort pour nous faire. Ça veut dire des luttes à mort qui menaient, qui boit, n'a retiré tête pas pour me mettre pas. Parce que moi, dis dans une interview que je me débat en journaliste étranger, je me dis clair que le président Jovenel Moïse l'a accroché à des réformes. Ça veut dire, est-ce qu'on paye, qu'on comprenne, qui, dans la situation par nous aujourd'hui, qui a vivre côté le président qui fait une campagne électorale, li marche dans tout le pays? Li fait des promesses et arrivé au pouvoir, li nos situations par rapport à promesses qu'il te fait, faut qu'il rentre dans des négociations politiques. Et parfois, des négociations politiques stériles, nous avons passé pendant 9 derniers mois. Yo. Depuis le mois de mars, nous avons un premier ministre qui a démissionné en gouvernement. Jusqu'à présent, le pays a vécu sans gouvernement. Pour maintenant vivre ce sujet avec vous, moi je crois que je dis, ce qui est plus important pour le pays, ça, c'est pour chaque haïtien. Chaque haïtien. Je ne veux pas parler de acteur. Qu'on est que seuls gens qui ont mis le pays dans la route de stabilité, c'est arriver, nous chita attendez, qui va permettre que nous venions à quoi politique. Et de accord politique ça, nous avons un gouvernement d'union nationale, et de gouvernement d'union nationale ça, nous avons une feuille de route qui permet de nous entrer dans la dernière transition. Même dit dernière transition, ça veut dire c'est parce que son transition que nous avons depuis 33 ans, président, je veux parler de mon prédécesseur Michel Martelly, l'a quitté le pouvoir, l'obliger son transition, quitter, faire élection comme président. C'est-à-dire, il faut nous revenir au carrefour, côté pour nous comprendre que transition, yo, et puis il faut nous suivre, qui est sa transition, au poté. Transition, c'est son seul bagage au poté. Au poté des bagages pour des groupes moun, bien particuliers. Tout mauvais contrat qui signe dans le pays, ça veut dire contrat qui n'a pas avantage peuple là, c'est dans la période de transition qui aussi. Dans la période de transition. Attends, aïe, aïe, aïe. Vous comprenez bien? Jocelyn Privé n'a qu'à monter après Matéli. Il était là pour te faire élection pendant 120 jours. Il peut yo gonfler quoi yo, il fait yo l'année 12 mois. Dans l'espace 12 mois ça. Il signe 4 gros contrats pour 27 ans, 17 ans, 20 ans, 10 ans pour plusieurs milliards de dollars américains. Engager l'État. Tout vieux contrat n'a besoin monter c'est sous transition. Je dis à coalition gang ça qui là, oligarchie pas besoin de bagaille. Yo besoin rassurer que contrat que yo te gagné. Il était retourné avec l'équipe Ariel, faut le là. Parce que pas oublier, Ariel n'est pas capable de signer un contrat pour criminel, parce que pas le président. Mais il a besoin de rassurer que pour lever cette tête là-bas, le contrat n'est pas imbattable. Contrat n'est pas de la public. Mais Jovenel te dit, faut que tout contrat qu'on ait gagné avec l'État soit public. Ni montant, ni tout bagage net. Mais il n'y a pas de ça dans le pays. Mais président, que n'y a livré, par un livré, et général Kiki mangé, Boubou, Depatia,
oligarque corrompu yo mange dévoré, Rodolphe Jass assassiné, John Joel Joseph assassiné, ou comment vite l'homme innocent assassiné, André Michel Kassim Ajou Michel Don Katouchi Lédo, monsieur assassiné président, mais président Jovenel Moïse qui n'a que touyé, mais pas ici qui pas existe encore. Yo gen doit par exemple moi exemple transition 2004-2006. Contrat qui coûte l'État au final, si nous arrivons en 2023 avec lui, 1 milliard 120 millions de dollars, c'est sous transition ça, vous le signez. Contrat courant. Nous voulons parler de contrat que l'État fait pour une usine que l'État te gagne, et puis ils font contrat avec un privé, au lieu que l'opérer l'usine dans les bons privés, opérer le privé. Et puis le pays privé, c'est au final, nous voulons parler du contrat de la Sogenère. Au final, c'est un contrat qui peut coûter l'État si nous t'a quitté parce que heureusement nous prenons décision que nous prenons semaine dernière. Si nous t'a quitté le boulot en 2023, l'État peut coûter l'État 1 milliard 120 millions de dollars. Ça veut dire, comment je dis pour nous voulons construire un pays pour nous-mêmes qui sommes dans notre pays pour nous arrêter comme irresponsable et puis nous t'a dit que, ok, il y a des secteurs qui disent que faut que le président aille et puis me dit bon. Et moi démissionné, et puis maintenant, nous pouvons aller vers un carreau tout droit. Ça veut dire un pays qui a des groupes armés à travers tout le territoire. D'ailleurs, son héritage que je viens de joindre. Et je dis, je pense que le problème, ça aussi, pour ensemble, nous chita entre haïtiens, pour nous adresser. Parce que violence, il y a entraîné violence. Ça veut dire, si on fait violence, violence, pas pour caboter l'autre bagarre, il y a violence. Ça veut dire, est-ce que monsieur le président, contrat ça, parce qu'on va annoncer que contrat résilié, parce que ça n'a pas coûté au gouvernement plus de milliards de dollars. 1 milliard 120 millions. 1 milliard pour Youn. Mm-hmm. Est-ce que signataire de contrat ça n'a pas de aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas de clause qui va vous garantir? Est-ce que. Parce que les gens fait là, semblent le faire de façon unilatérale. Bon, je dis, il y a des décisions là au président. Ou bien responsabilité face à la nation, parce que c'est lui-même qui va pouvoir le peuple. C'est pour eux. Le contrat, ça a été signé. Au clair, ce n'est pas Jovenel Moïse qui était président, ce n'est pas moi qui était président. Mais ce n'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, j'ai eu une chance, comme journaliste, de trouver copie rapport, commission intérimaire, qui demandait de renégocier le contrat, ça a un rapport qui sortit en 2015, en novembre 2015. Rapport ça, moi, Lille, son rapport de 500 pages, qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, vous regardez. C'est pas son scandale, ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je veux dire, moi-même, moi, courage, moi, demain, pour me dire, peuple haïtien, hein, il était voté pour me défendre la cause. Li. Ça veut dire, c'est pas des contrats, ça, ou pas gagne, nous, ça, moi. Ça veut dire, je veux dire, hein, il est clair pour me dire que, nous prenons décision et je voulais faire ça clair dans la tête de tout le monde. Je m'entendais que il y a des gens qui parlaient de nationalisation entreprise privée. Nous-mêmes, dans le pays, nous avons fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font un lancement avec Papé. Je n'ai pas bien parlé de ça dans l'interview. Je n'ai pas été là pour m'empêcher d'être entrepreneur. Comment vous êtes capable? Rete pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous pas qu'à faire promotion en pratique qui est state capture, nous pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous pas qu'à arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État et puis pour nous quitter 3-4 personnes, hein, camper parce qu'il y a fait des pressions populaires, il y a eu l'argent dans le pays. Et puis pour nous dire que, je dis, hein, c'est pour nous faire même mise au détriment du peuple haïtien qui finit bon mon pouvoir. Mm-hmm. Monsieur le Président, qui t'a ajouté sous question Wendell là, que si on contrat l'État de Siel avec des entreprises privées, son loi que t'a fait ça, je dis à là, vous êtes président de la République, vous trouvez que il y a des inégalités dans le contrat ça, c'est bien, mais vous n'êtes pas au-dessus de la loi. C'est dans le cadre la loi pour ta résiliation de contrat ça. S'il faut gagner résiliation, est-ce que vous l'admettez ainsi, Monsieur le Président? C'est une très très bonne question. Premièrement, il faut me dire, en répondant à une question, ok, par contrat. Premièrement, dans trois contrats, c'est un et demi qui est effectif. Ça dit oui? Ça dit pas, c'est un contrat et demi qui existe. Je vais l'expliquer.
Etrak font contrat avec l'État haïtien en 2008 pour le produit 6 MW d'énergie électrique sous Petit Gouave et pour le produit 6 MW d'énergie électrique sous Okaï. Ça fait 12 MW. Depuis 2014, le contrat a expiré. Décideur de l'époque, il a eu un droit eux-mêmes, cette décision a été prise, il a continué à payer et traque sur des factures que rien. Chaque temps, les mettre facture, et ceci, moi-même, tout pendant 2 ans et demi que je me fais président, c'est 2 ans et 8 mois, c'est comme ça, ça a continué. Mais je dois vous dire que de notre côté, nous avons cherché dossier, parce qu'il faut me dire ça tout, des contrats que l'État fait avec un monde. Comment vous camper pour dire que le contrat, il y a des clauses de confidentialité dans eux? Mais l'État est au service du peuple. Justement. Si l'État signe un contrat avec un monde, c'est pour le public. C'est pour le peuple là qu'on a qui ça qui gagne un contrat, qui ça qui pas d'un avantage, pas le qui ça qui gagne un avantage. Et d'ailleurs, l'État supposé tout ça qu'on a signé un contrat avec un monde, faut un avantage population pour lui. C'est pour ça pour me répondre, pour me dire que gagne un contrat dans un contrat qui expire depuis 2014. Ça est dit aujourd'hui, je voulais ça pour éclaircir pour tout le monde, pour tout le monde comprendre, pour nous poser une question. Contrat qui était fini en 2014 là, avant hier, l'État prend une décision qu'il prend. Il prend une décision, et je dis à ma dit le public, c'est pour une décision que l'État a saisi usine entrepreneur privé. Service, nous, au niveau, au plus haut niveau de l'État, te fait nous connaître, il y a des gens qui mal intentionnés, qui t'ont sorti pour vandaliser l'usine. C'est pour ça que, à travers EDH, il y a une décision qui te prend. Pourquoi? Il a sécurisé l'usine. Mais l'État a saisi l'usine et traque. Je veux ça clair pour tout, tout le monde qui a tendu, qui a regardé. Usine Okaï et usine Petit Gouave, c'est 6 groupes électrogènes de 2 MW qui sont là. L'État prend une décision lui-même qu'on a pour l'acheter groupe PAL, pour le remplacer groupe et traque. Ça veut dire pour le remettre et traque groupe électrogène PAL. Mais en attendant que l'État qui prend une décision et me connaît des démarches qu'a fait parce que j'ai un rapport quotidien sur le dossier ça, sur le dossier que m'a suivi de très près. Moi connais pour parler qu'a fait avec le PDG de Etrac pour joindre qui gens qui meilleur moyen pour yo faire une transition harmonieuse pour remettre Etrac groupe lié et puis pour l'État lui-même rentrer avec l'autre groupe. Mais qui s'est passé dans le contrat ça? Il m'a dit nous m'a ben nous documents tout, je pense que le public qu'on y a pour nous capable de lire pour nous. Son contrat que le rapport ça qui ça le dit. Le rapport là dit que, et me confirme partie ça, il dit que deux centrales ça ont coûté moins que 5 millions de dollars. Centrales ça que nous jouons là aujourd'hui, hein, qui sont centrales qui sont centrales de 16 MW, les deux centrales, ça aussi, c'est deux centrales de 6 MW, ça fait 12 MW. Quand il y a deux centrales de 16 MW, qui encore cap coûté meilleur marché que prix dans le rapport ça, qui c'est environ 4,8 millions de dollars que la centrale ça a coûté. Même rapport ça a dit, deux centrales ça a coûté l'État haïtien, au final, 146 millions de dollars. On fait un calcul simple. 4 800 000 moins 146 millions. On fait pour nous convaincre que l'État dépensait plus de 140 millions de dollars. Que l'État dépensait nos centrales que l'État a achetées, les mêmes opérées. Parce que, en clair, l'État central qui j'appelle là, c'est pour l'État lié. Centrale qui Jérémien, c'est pour l'État lié. Centrale qui porte de paix, c'est pour l'État lié. Centrale qui chevrit dans la liberté, c'est pour l'État. Centrale qui Saint-Marc, là, c'est pour l'État. Mais c'est des centrales, c'est l'État qui a opéré. Pour qui ça, deux centrales de 6 MW, l'État n'a pas de cash, tel opéré. Nous ne pouvons pas le retourner pour nous poser question pour qui ça, contrat ça, t'es signé. Mais je dis, à contrat fini, nous décidons de faire l'État prendre pour l'État, pas payer quoi encore. L'homme dit pour l'État prendre, ville ça. La ville de Kay et la ville de Petit Grave, pour c'est lui-même qu'on y a. Qui produit, ok, qui distribue
et puis qui collecte quoi mais pour pas obliger gon monde pour la payer et nous dit dette qui gagne sous centrale ça yo un arrangement qu'a fait entre le ministère des finances le DH et fournisseur ça parce que nous reconnaître dette yo parce que son contrat est signé pour payer fournisseur à dette li pour faire un arrangement c'est pour qu'on bien caper un seul coup parce que nous pas un moyen ça contrat numéro 2 le contrat de e-power son contrat qui signe contrat signé dans contrat gagner trois rapports que mandé nous tout pour le public gon rapport te gagné un cabinet d'avocat qui te font rapport pour la bid gain rapport banque mondiale gain rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout qui clair qui dit que contrat ça li pas respecté les intérêts de l'État. Moi aujourd'hui en tant que chef de l'État mal cherche intérêt de l'État le rivé moi joindre que yon centrale qui construit qui coûte c'est ça rapport a dit même t'étendu dans en interview avant hier yon responsable baro dit le contrat rapport a dit que centrale la coûte 36 millions de dollars. Responsable Ipaoué a dit que c'est 54 millions de dollars centrale la coûte. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, contrat ça coûte l'État haïtien 720 millions de dollars, c'est ça rapport a dit. Quand surtout au centrale qui coûtait. Si je dis à peuple haïtien qui regarde me la capitaine de moi, moins t'aller dans BNC qui c'est banque l'État haïtien. M'te dit prêtez 36 millions de dollars pour me construire une centrale. Ça veut dire m'tap fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. Ça. C'est pour ça m'prend décision et m'prend et m'en mandé peuple haïtien aujourd'hui. Excuse c'est aujourd'hui à m'prend. Peuple haïtien attendez. Président Jovenel Moïse a parlé directement avec Dimitri Vob dans affaire centrale Varu. Varie 1, varie 2. Monsieur Dimissal prête dans la Banque Centrale. Alors, pardon, dans BNC. 30 millions de dollars américains prêté. Dans prêt, monsieur fait, dans l'État encore. Ils font contrat avec l'État. Les contrats, ça. C'est chaque, là, côté l'État américain, alors l'État haïtien, chaque 5 ans, 1,2 milliard de dollars américains. Chaque 5 ans. Pendant que le prêté comme dans l'État, oui. Il fait contrat à l'État pour la faire l'agence à sous l'État. Sans camper. Bon, qui était président parler parce que il est extrêmement important pour nous entendre. Et là, tourner sous lui. Nous faisons rien là même, non? Parce qu'il faut faire nègre avec femme. Ça, qui touille Jovenel Moïse, connaît que il y a des gens qui ouvrent et qui ne peuvent pas touiller tout le monde. C'est clair, président Jovenel Moïse. Je m'en ai l'excuse parce que je ne pas de temps en avant là. Et je tout dit pour que ça ne pas de temps en avant là. Et je dit pour que ça m'excuse, c'est que. Moi pas de information yo. T'es gain rétention d'information. Gan pile moun que nous obligé remplacer pour nous te joindre information yo. Et je dis à nous joindre yo peuple là, c'est ça qui fait nous en capacité posément. Sans nous pas gouma, nous pas dans gouma personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger intérêt peuple là, intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça t'a pas coûter l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale Ipower. Centrale l'arrêter propriété Ipower. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après le contrat fin coupé, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel li prix le coûter ou bien Ipower qui a décidé à travers ANAC parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans secteur énergie aujourd'hui a pas permettre l'État tout acheter courant dans même monde sauf en cas exceptionnel par exemple si nous font contrat c'est ça un spot contrat ou qu'on font contrat à court terme qui pour permettre que pour contrat à court terme ça pour permettre ou aller vers un système permanent de production de distribution et de collecte ça veut dire monde qui produit aujourd'hui hein, c'est pas moi qui dis c'est la loi. C'est vous qui vous vendez, c'est vous qui vous distribuez, c'est vous qui vous vendez. C'est l'inverse pour une payer l'État taxé.
Voilà. C'est-à-dire, je veux, pour me finir avec point ça, c'est-à-dire, deuxième contrat, ça, je veux ça clair dans la tête de tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, rete usine, c'est propriétaire, actionnaire, il parle. Monsieur le Président, on a parlé d'énergie. Ou dit que ou pas de toute information ça de ce côté-là et ou excusez ou et par devant le peuple haïtien alors que dans la question énergie à même où tu fait de grandes promesses d'électricité 24 sur 24 est-ce que là c'est n'a pas une déduction vous étiez dans de fausses promesses mensonges ou c'était quoi erreur de calcul moi connais c'est encore une très bonne question et encore ma petit peuple là. Et c'était bon pouvoir, c'était bon pouvoir pour me venir changer la ville. L'homme était dit en juillet 2017 que le pays a pris le courant 24 sur 24 dans 24 mois. Moi, j'étais comparé par rapport à un pays comme la Jamaïque, qui lui-même qui était dans le fait noir tout, qui était un problème d'électricité. Et ils font une réforme là, ils mettent 410 MW. Je parle de 2015. Je dis, sur chaque 100 Jamaïcains qui vivent, il y a près de 98 qui ont courant. Nous sommes dans la même situation avec lui. Ce n'est pas ton mensonge. Ce n'est pas ton mauvais promesse. C'était justement un citoyen qui vient président, qui a un engouement pour bien-être population. Mais c'est ton citoyen qui, je dis, qui meurtrit, qui finit ouais, qui ça un groupe de monde. Camper dans le secteur énergie, gon même mise qui fait sous lui et qui goumet cap retirer en bas griffe moun sa. Jodi an si mwen gen yon l'autre excuse encore que m'ka mande peuple la m'ka di la pilon que tant que m'te di a mais c'est vers ça n'pour aller. Si m'ka excuser pour comprendre que c'est là n'pour aller. Jean nous prêter 150 millions de dollars dans Taïwan pour nous faire réseau électrique, mais qui bloquait par un autre pouvoir. Ça, nous signons un contrat depuis décembre 2018. Et pourtant, nous n'avons pas jamais. Et pourtant, comme là, mais nous n'avons pas jamais dépensé. C'est pour me dire aujourd'hui que entre la volonté et la vision d'un président et le système, un monde de différence. Et c'est pour ça que je dis, je prends courage moi, pour me dire du peuple haïtien la vérité. Pour me dire que dans sa mété, parce que c'est le bon pouvoir, si il n'y a pas de courage pour les réformes qui sont faites, parce que je ne suis pas prêt pour faire, moi j'ai courage là pour me faire. Moi j'ai volonté pour me faire. Mais j'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin de demander le vote là. C'est qu'on a besoin aujourd'hui pour me faire réformer. Parce que sans lui, je ne peux pas faire. Parce que son pays, côté un groupe qui fait même isolé au détriment du peuple. Et ce n'est pas le secteur énergie seulement. Sauf au fur et à mesure que je parle du peuple. Aujourd'hui, dans l'interview, je n'ai pas parlé d'énergie. Qu'on y a. Mais il y a un pile d'autres bagailles que nous avons pour nous parler encore. Un pile de réformes qui peuvent faire. Un pile de côté monde. Peser sous ces, nous allons le dire, faut-il lever. Parce que c'est rôle, nous. C'est mission, ça, peuple, pour moi. Ça veut dire, c'est pas que, moi, j'ai une volonté en 2000, juillet 2017, pour me déballer, menti. Je voulais nous prendre un petit temps et prendre un petit sans nous pour nous tendre président Jovenel Moïse. Et c'est extrêmement important, exercice ça. Peuple haïtien, situation nous compliquée. Nous capables sortir. Si on est capable touiller président Jovenel Moïse, c'est que ouais à clair. Monsieur t'a fond bagaille pour pays. Et tout le monde vrai, même mon nèg te manipuler pour faire répéter Jovenel Moïse c'est 17 dates là, dit tout qu'il était bagaille président. Il finit par rendre compte que Jovenel t'a fait vrai route là. Et tout ça qui est capable mener dans pays pour dire que ou pour le faire pays à changer ou faire avancement dans pays. C'est exactement ça Jovenel Moïse t'a commencé pour prendre. Ou pas quitter derrière nous, tout ça, Jovenel Moïse t'a fait yo. C'est le bail qui t'a mené pays à Beauport. Ça veut dire que aujourd'hui, il faut que nous comprenions la réalité qui gagne dans le crime qui fait là. Réseau qui cache des crimes.
raison économique, raison qui est bâclé, comme si nous avons dit, développement pays d'Haïti. Mais ton blocage pour nous-mêmes attaquer la jeunesse. Nous devons goûter. Nous devons goûter en pile. Et la jeunesse en action. Haïti pas qu'à arrêter comme ça. Et nous pas qu'à quitter le pays à disparaître. Naptoune, qu'est-ce que la balague? Rendez-vous en cassette à l'heure comme ça pour l'autre édition. Président Jovenel Moïse, naptoune parce que nous avons pile causé pour nous porter pour vous. Et Fobeto, moi-même en pile.